Qui en sera le modérateur. Le thème de cette table ronde a été proposé par Dominique Sierra, qui est l'éditrice des éditions La Tête à l'envers. Et il s'agit, le thème donc est l'émergence du poème, question sur le fil du rêve. Je passe le micro à Famas Kardopoulos, qui en est le modérateur. Bonsoir, merci pour cet espace disponible pour cette table ronde. Et merci aussi à Dominique Sierra qui a eu cette idée de nous ramasser ici. Et je vais premièrement présenter mes deux interlocuteurs et après je vais ouvrir les questions autour le poème et le rêve. Donc, à cause de moi, Simone Molina, qui est poète et psychanalyste, elle a enseigné à l'animation d'ateliers d'écriture de Marseille, présidente de l'association psychanalytique Le Pont des Capitons. Elle s'intéresse aux passerelles entre psychanalyse et littérature. Elle est formatrice, elle enseigne en France, en Maghreb et en Chine. Elle est membre de la Maison des écrivains et sociétaire de la Société des poètes français. Elle a publié de nombreux livres d'artistes, ainsi que de nouvelles, poèmes et articles, dans des revues spécialisées en littérature comme en psychanalyse. Quelques de ses titres sont « Une enfance dans la guerre » et « Voile blanche sur fond d'écran » aux éditions La Tête à l'envers. À droite, Jacques Robinet, qui est aussi psychanalyste depuis 45 ans à Paris. Il a été membre à l'école freudienne de Paris de Jacques Lacan. Et il a publié de la poésie. Et il est plus timide dans ce qui concerne ses publications, de ce que je peux comprendre. Il a écrit donc Frontières de sable, Phénomade, et un livre plus ancien, Veille le silence. Donc, tous les trois, nous partageons notre intérêt autour de la psychanalyse et de la littérature. C'est donc pour cette raison que moi-même, ils m'ont donné ce rôle d'interlocuteur de collègues. Je voudrais seulement faire une petite ouverture sur la question du poème du rêve. Il y a quelques années, j'ai écrit un essai sur la traduction inconscient. Vers la fin de cet essai, il y avait une sorte de remarque qui paraissait plutôt linguistique, mais n'était pas, sur la question, sur la façon dont les verbes
s'articule au rêve, c'est-à-dire en grec on dit, au lieu de dire rêver, on dit je vois un rêve, vlepo en omnia. C'est-à-dire, c'est Pontalis, il souligne vraiment ce côté visible du rêve comme quelque chose de très très important. En anglais, on dit « j'ai un rêve »,« I have a dream ». Et en français, on dit « j'ai fait un rêve ». Donc, l'articulation du verbe français avec le rêve a à faire avec la fabrication, je peux dire, de quelque chose. En grec aussi, on dit « j'ai fait un rêve », mais cela a une notion, un sens qui est tout à fait métaphorique quand on fait des projets. Je fais des rêves, c'est-à-dire j'ai des projets à faire quelque chose ou j'ai rêve à faire quelque chose. Donc, mais ce qui est important, que cette verbe « faire » a beaucoup à faire aussi avec la poésie, parce que le mot « poésie » ici a à faire avec le verbe « bio » qui est le verbe ancien qui ça veut dire « faire ». Donc, la fabrication se trouve donc à la racine de deux notions, hein, de la poésie et du rêve, comme on fait des rêves comme on fait des poèmes. Mais quand je dis, à mon avis, j'ai fait un poème ou j'ai fait un rêve, ce n'est pas dire seulement j'ai fait un rêve, mais aussi j'ai des associations sur ces rêves, je me souviens ces rêves, je pense sur ces rêves, parce que aussi le poème, ce n'est pas seulement le moment de surgissement d'un poème ou de quelques vers ou d'une image, mais aussi la construction d'un poème après coup. Hein. Donc, nous pouvons peut-être commencer de ce point de vue, comment se fait un rêve, comment se fait un poème, à travers cette notion commune de la fabrication, d'une construction, pour faire une référence à Freud, construction de l'analyse. Et donc, il y a une construction psychique dans tous les deux domaines, du rêve aussi, mais du poème. Et Simon, si vous voulez dire quelque chose, parce que vous avez aussi m'avez informé sur des questions autour de l'ombilique du rêve, si vous voulez continuer sur cela. Oui, ce que vous dites, alors ça m'intéresse beaucoup, cette idée de « je vois un rêve en grec ». Parce qu'effectivement, on est du côté de l'image, et je me dis que peut-être pour la poésie, il y a quelque chose, bien que ce soit toujours un travail sur la langue, qui probablement vient aussi par l'image. Alors, vous m'interpellez sur l'ombilique du rêve. Je crois aussi qu'un des points communs entre le rêve et la poésie, c'est justement qu'il y a quelque chose qui échappe absolument. Dans le rêve, Freud dit bien que le rêve n'est pas interprétable complètement, contrairement à d'autres personnes qui pensent qu'il y a une symbolique du rêve et qu'on pourrait complètement déplier tout rêve et qu'on arriverait à en comprendre justement le sens, eh bien, il y a cette ombilique du rêve, et dans le poème, justement, ce qui fait qu'un lecteur va être touché par un poème, c'est ce qui échappe aussi à l'auteur du poème, et qui est là, qui vient dans les interstices finalement du poème. Et je pensais qu'en psychanalyse, il y a pour moi, une chose très importante aussi, qui fonctionne de la même manière, c'est l'interprétation. C'est-à-dire que je crois que, contrairement aux explications psychologisantes, aux psychanalyses qui viennent justement tout rabattre du côté du sens, l'interprétation a cette même particularité d'échapper complètement, de surgir à un moment, et d'être effectivement, comme le poème, c'est ce que vous venez de dire, travaillé dans un après-coup. Et cette interprétation, il me semble qu'elle vient étonner et l'analyste et l'analysant. Donc il y a une part d'étonnement, de surprise finalement dans l'interprétation.
J'avais pas fait le lien. Je pensais rêve et en venant, je pensais rêve et poésie, mais je me dis que on pourrait peut-être tirer un fil aussi vers ce qu'il en est d'interprétation par rapport à ce qu'on appelle comme ça vulgairement l'interprétation et qui est en fait de l'explication psychologique. C'est pas de ça dont il s'agit. Voilà. Je pense qu'il y a pour être analyste, il faut être poète de ce point de vue-là. Ce qu'il dit Lacan à la fin de sa vie. Comment? C'est qu'il dit Lacan à la fin de sa vie. Absolument. Elle l'avait vu. Absolument. Oui. Encore une fois, pour être poète. Voilà. Et c'est un peu risqué cela parce que c'est difficile de parler de la poésie dans l'espace de l'analyse. Hein. Mais en gardant la question de le fait de l'interprétation qui est un côté du rêve même qui surgit comme ça, soudainement, comme une surprise, et qui est peut-être pour le lecteur aussi du poème un côté qu'un vers au milieu, à la fin, au début du poème a cet écho d'interprétation ou de surprise. Et je vais rentrer à la question de l'image parce que vous, dans un texte que vous m'avez donné, vous avez mis l'image à l'origine de votre démarche poétique, parce que c'était après un film que vous avez vu, Mort à Venise. Oui, en fait c'est assez différent comme approche, parce que c'est plutôt en pensant au rapport de la psychanalyse et de la poésie, pas tellement du rêve. Je ne m'intéressais pas à ce moment-là beaucoup au problème du rêve en psychanalyse ou en poésie, mais plutôt sur le rapprochement psychanalyse et poésie, que j'étais parti d'un souvenir d'une séance d'analyse, tout simplement, que j'avais vécu il y a très longtemps. Et où quelque chose de ce rapprochement entre la psychanalyse et la poésie avait surgi pour moi comme possible. Pour l'anecdote, enfin, c'était au moment de l'apparition d'un film que tout le monde connaît, Mort à Venise. C'était en 71, je me souviens. J'avais été, comme beaucoup de gens, très bousculé par ce film, qui est admirable. Il se trouve que suivait à quelques instants après, une séance d'analyse. J'étais en début d'analyse, c'était en années 60, très vieux, pour imaginer. Donc j'arrive chez mon analyste, tout perturbé par ce rêve, et je me suis rendu compte que j'étais en train de vouloir faire œuvre créatrice, d'une certaine façon, suite à cet événement. C'est-à-dire que j'avais envie, moi aussi, d'écrire un poème, enfin, de m'exprimer dans ce langage-là, pour exprimer les émotions que j'avais pu ressentir pendant ce film. Et donc j'ai commencé une séance comme ça, c'était superbe, magnifique, ça se déroulait. Pour une fois, j'avais l'impression que mon psychanalyste prêtait attention à ce que je racontais, parce qu'en général, les lacaniens, vous savez, font tout pour vous montrer qu'ils ne vous écoutent pas. Mais là, il était tout à coup au silence, c'était prodigieux. Je déroulais les images, s'enchaînaient, les métaphores, suivaient les métaphores. C'était très, très, très beau, quoi, très brillant. Et je me suis dit... En sortant, je me suis dit, qu'est-ce que je viens de vivre ? Enfin, c'était curieux. Je dois vous dire que je n'ai jamais écrit de poème là-dessus. Enfin, c'est resté comme ça dans ma mémoire, comme un moment de rencontre entre deux choses qui apparemment sont d'univers différents, mais qui là s'entrechoquaient. Alors, c'est à partir de ça que j'avais écrit un texte qu'on m'avait demandé l'année dernière pour expliquer un peu cette histoire-là. Mais bon, je sais pas, j'ai vous épargné cette lecture qui est un peu longue. Ce qui m'amène à dire, parce que là, aujourd'hui, on parle de poésie et du rêve. Quand on parle de ces choses-là, moi je pense aux surréalistes qui se sont énormément inspirés, comme vous le savez, des découvertes de Freud.
sur le rêve. Alors ils se sont mis, ils ont cru, enfin, ils se sont mis à faire des poèmes comme ça, par association libre, comme on fait quand on explique un rêve, quand on veut trouver le sens d'un rêve, puisque c'est la découverte de Freud, l'association. Donc les psychanalystes se sont entichés de cette méthode et ont commencé à écrire de cette façon-là, des rêves. Moi, je ne suis pas du tout dans cette mouvance poétique. Enfin, ça m'intéresse qu'assez peu. Et Freud en rigolait, comme vous le savez, parce que lui, il pensait que c'était très loin de ce qu'il essayait de faire. Donc, je pense que bien sûr, si la poésie et le rêve ont les mêmes sources inconscientes, ont des sources inconscientes évidentes, le travail n'est pas du tout le même. Enfin, malgré tout, dans l'interprétation d'un rêve ou dans dans l'élaboration d'un poème, il y a des sources communes, on tire de la grotte. Je pense que les deux se déploient à propos d'une brèche, quelque part, dans de notre être, enfin. Et que le rêve cherche à dire quelque chose, le poème aussi, mais ce n'est pas le même genre de travail. Je cite une phrase de Lacan que je retrouve, qui dit bien combien... Nous procédons, dit-il, dans l'expérience, il parle de l'analyse, en faisant tenir au sujet un discours qui se définit par l'association libre, ce qui veut dire sans lien à l'autre. Vous parlez dans l'analyse, ça veut dire qu'on vous a libéré de toute règle de jeu. Un tel exercice ne peut même pas donner un texte esthétique, c'est-à-dire qu'un tel exercice n'est pas du tout ce que je pense. Que j'essayais de faire en séance d'analyse, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire un poème, ça n'a rien à voir. En analyse, le texte se perd, et le propre de l'analyse, c'est justement de laisser libre cours à la parole, qu'elle s'échappe, qu'elle se perde, on ne retient rien. Le poète, pas du tout, le poète fait un travail d'élaboration sur la langue, et c'est ce que dit Lacan. Les surréalistes, quand ils voulaient procéder par cette voie, vous pensez bien qu'à la fin, ils employaient largement eux-mêmes la paire de ciseaux pour que ça finisse par faire quelque chose dont nous reparlerons, une œuvre d'art. Une œuvre d'art, ça demande des ciseaux, ça demande un travail qui est très loin de celui que... Donc voilà, c'est à la fois, pour moi, enfin, j'ai pas beaucoup pensé vraiment en venant vous voir, à cette histoire du rêve, j'étais pris beaucoup plus dans mon ancien projet. Mais plus j'y pense et plus je trouve que ces domaines apparemment proches et qui ont des sources communes certainement, sont tout de même des champs très différents. Tu disais tout à l'heure que tout analyste est peut-être poète. Je pense qu'on peut très bien être poète sans être analyste. Merveilleusement bien. Ce sont quand même, à mon avis, des domaines très différents. Et la tentation surréaliste me semble être une tentation qui doit rester éphémère, enfin, qui me laisse sans lendemain. Et je crois que, enfin, c'est ce que nous avons déjà dit, il n'y a pas, les deux processions, les deux procédures ne sont pas identiques, il y a des correspondances entre les deux, comme il y a des différences. Sans doute le résultat et le but de chaque travail est tout à fait différent. Et aussi moi, je suis un peu réfléchi sur le fait qu'un poète, il est psychanalyste quand il écrit un poème, ou un psychanalyste, il est poète quand il fait son travail. Mais vous avez à dire quelque chose sur cela? Non, je pensais... alors, j'associe librement, le temps, tant que faire se peut. Je pensais à Henri Beauchaud, parce que raconte Henri Beauchaud de son travail d'écrivain et de son travail analytique. Et
Je suis bien persuadée en effet, parce que tout à l'heure, Jacques, tu disais que les analystes lacaniens font tout pour dégoûter effectivement peut-être même du silence. Et je suis lacanienne pour autant, et je ne crois pas qu'il faille dégoûter les analysants par le silence. Ce que je perçois, c'est que, bien évidemment, le processus d'écriture d'un poème et l'analyse ne sont pas comparables. Ça, je te suis là-dessus. Et il ne s'agit pas, en effet, de transformer une analyse en une espèce de production poétique. C'est pas de ça dont il s'agit. Mais on est dans une librairie, et je me dis que si on prend les choses du côté, par le biais de la poésie, en fait, hein, il y a quelque chose du processus créatif qui vient dans le transfert. Par exemple, pour Beauchot, c'est de ça dont il s'est agi, pour lui. En ce qui me concerne, je peux peut-être dire ça, j'ai eu un analyste extrêmement silencieux. Heureusement qu'ensuite, j'ai rencontré un autre analyste qui était moi. Parce qu'avec l'histoire qui est la mienne, peut-être que je ne serais plus là si j'avais poursuivi avec cette espèce de froidure terrible. Donc il y a quelque chose du processus créatif, peut-être parce que je m'intéresse plus particulièrement à la question du trauma, qui fait que ce processus créatif pour moi, il vient boire aux mêmes sources, comme tu le dis, et que effectivement il appartient à l'analyste dans le transfert de ne pas aller se fourvoyer, mais il se fourvoyait donc dans l'imaginaire, je veux dire, dans un certain imaginaire, mais il appartient aussi à l'analyste d'entendre ce qu'il en est du processus créatif chez un analysant. Je voudrais donner un exemple qui me paraît tout à fait, pour moi, qui a été vraiment un enseignement. J'ai reçu une jeune femme qui ne pouvait pas parler, ou très peu, qui était comme un oiseau sur la branche et qui venait me voir parce qu'elle ne pouvait même plus sortir de chez elle. Et finalement, accompagnée au début, puis après elle a réussi à venir, sans un sou, enfin dans un état terrible. Et un jour, elle m'apporte un poème et une petite nouvelle. Mon analyste, à qui j'avais fait la même chose, m'avait dit « Il n'y a que la parole ici. » Et moi, je n'ai pas fait ça. Et au cours de ce travail-là, je l'ai reçu longuement, et puis ensuite elle est partie, revenue, enfin bref. Tout était inscrit de son histoire dans ce premier poème qu'elle avait écrit quand elle avait 16 ans, et dans ce texte qui était une nouvelle qu'elle avait écrite quand elle avait 8 ou 9 ans. Tout était là, toute son histoire était là. Sauf qu'il était impossible dans les premiers entretiens qu'elle puisse me raconter quoi que ce soit. Il a fallu donc tout ce temps où j'ai dialogué finalement avec elle, on ne parlait pas de la pluie du beau temps, mais ma présence et la question de la présence dont parle Jacoté par exemple, ou une bonne fois, je ne sais plus lequel des deux, qui est une présence humaine qui fait qu'on peut accueillir une parole et donc un silence. Je pense à la traduction du poème de tout à l'heure de Dimitra sur la question du silence. C'est-à-dire qu'on peut accueillir un silence. Et c'est pas la même chose d'être dans le silence pour moi et d'accueillir le silence. Et c'est en ça que je perçois une parenté, je dirais, entre le rêve et la poésie. Et là encore, on ne peut parler qu'à partir de soi. C'est que pour moi, je lui fais de mon histoire traumatique, je ne faisais que des cauchemars, je n'écrivais que des choses très jolies, des choses méditatives, très très jolies sur la nature, etc. Et puis un jour, j'ai arrêté de faire des cauchemars parce que la situation politique est devenue tellement terrible que les cauchemars se sont arrêtés, le cauchemar revenant dans la vie, dans la vraie vie, avec les attentats, etc. Alors a surgi un rêve
qui évidemment, le poème n'est pas une transposition de ce rêve, mais qui est pour moi, m'a renoncé dans une autre écriture, et cette autre écriture me semble différente de la précédente, et je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est qui est venu me dire ce rêve? D'où ce projet de rêve et psychanalyse et du surgissement de rêve. Oui, la vérité, qu'est-ce que vous avez dit sur la même source qu'il y en a, c'est cette raison, je crois, pour laquelle, à cause duquel, de laquelle c'est une analyse libère des forces créatrices de quelqu'un, et le pousse dans la vie d'une façon différente, et aussi, mais dans l'écriture. Certainement. Et, moi, je peux dire personnellement que, bien que j'ai commencé à publier avant ma première analyse, et pendant mon analyse, mes analyses, j'ai continué à écrire, et surtout dans ma première analyse, vraiment parce que j'étais trop jeune aussi, et très évidemment, d'une façon très abondante, c'était l'inconscient qui surgissait et qui donnait naissance à des formes. Aussi, parce que aussi, on peut dire que le rêve a une forme. Il y a toutes ces métaphores et condensations qu'il y a dans la poésie, mais dans le rêve aussi, comme Freud l'a très bien exprimé. Oui, c'est difficile de rebondir là-dessus. Parce que pour une bonne raison, c'est que quand quelqu'un parle, il parle à partir de l'expérience. Et ça, c'est vraiment, je pense que là, on peut se trouver dedans, et chacun d'entre vous pourrait dire des choses uniques de comment, par exemple, il est devenu créateur, ou comment il a eu envie de le devenir, ou qu'est-ce qui l'a poussé à le devenir. Ce que tu disais est vraiment greffé, en quelque sorte, sur ton expérience de vie, sur ton expérience traumatique, sur la façon dont les choses ont pu se vivre, se développer après dans ton analyse, à travers les rêves, etc. Et nous avons chacun son histoire, hein, et il n'y a pas deux analyses différentes. Et ce qui est vrai, c'est en effet c'est qu'une expérience analytique est toujours unique. Nous, tu disais que tu avais vu plusieurs analyses, moi aussi j'ai eu trois analyses. Fort différent, le premier dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui lisait son journal la plupart du temps et au bout d'un quart d'heure, on était à la porte, 10 minutes. Ça, c'était comme ça, hein, du temps de l'accord. Ne croyez pas qu'on ne faisait pas d'analyse, parce qu'on faisait des analyses contre, mais on développait une énergie extraordinaire. Ou on crevait, ou on travaillait. Et on travaillait à coup de flamme. On avançait très, on pouvait très bien avancer comme ça. Mais ça ne m'a pas suffi, j'ai lu deux autres analystes fort différents, plus qui parlaient davantage. Et moi-même, j'ai suivi à travers tout ça mon propre chemin. Je suis un analyste particulier qui peut écouter certaines personnes, pas forcément toutes les personnes. Parce qu'on n'est pas forcément capable d'entendre n'importe qui quand on est analyste. Et donc chaque analyse, pour ceux qui ne le sauraient pas, est vraiment une expérience totalement unique et très personnelle. Donc pour ce qui... ça c'est pour une chose. Mais pour le rêve et la poésie, d'abord il y a des gens qui rêvent beaucoup. Et il y en a d'autres qui rêvent assez peu. Et puis il y a des moments où on rêve beaucoup. Et il y a des moments où on ne rêve pas du tout. Et ça, c'est une des surprises de l'analyse aussi. C'est que tout à coup, on ne sait pas pourquoi, mais c'est bien sûr probablement dû au transfert et à ce qui se passe à ce moment-là dans la cure. On se met à produire en abondance des rêves pour l'analyse. Mais tout simplement, c'est des cadeaux aussi qu'on lui apporte, ces rêves. Il y a des moments où rien ne se passe pendant des années. Et on peut écrire des poèmes et ne pas rêver. Ce qui m'arrive moi, en ce moment, parce que quand je suis dans une période où je ne me souviens pas de mes rêves, en général, ça ne veut pas dire que je ne rêve pas, mais je ne me souviens pas de mes rêves. Et j'écris assez souvent. Donc,
Tout ça est assez mystérieux. Ce qui est vrai, c'est qu'on retrouve, comme vous le savez, comme Lacan l'a bien montré, des phénomènes d'élaboration du rêve que l'on retrouve d'une autre façon dans l'écriture. C'est-à-dire que dans le rêve, il y a le phénomène de déplacement et de condensation que Lacan a repris dans l'écriture, dans l'analyse, par les phénomènes de métaphore et de métonymie. Bon, c'est évident que ces mouvements, la métaphore et la métonymie, sont aussi au centre de l'écriture et de la poésie. Il n'y aurait pas de poésie sans métaphore et sans travail métonymique, le déplacement des signifiants, enfin le jeu des signifiants qui s'appellent et qui se succèdent. Donc bien sûr tout ça s'enchaîne, s'enchevêtre. Je n'ai pas, prévu vraiment quelque chose de clair, de précis. Je vous laisse aller, je vous offre. Mais voilà comment je vois les choses. Ce que je crois, franchement, derrière tout ça, c'est que peut-être on pourrait dire que on va en analyse en général parce qu'on n'est pas vraiment unifié, parce qu'on n'est pas bien dans sa peau, comme on dit. Moi, je ne crois pas beaucoup aux gens qui vont en analyse pour faire des analyses didactiques, comme on disait autrefois, ce pur projet d'analyse didactique. Lacan n'y croyait pas non plus. Il pensait que l'analyse devenait didactique, mais qu'un projet didactique n'était pas recevable, enfin, à la limite, comme demande d'analyse. Pourquoi je parle de ça, je ne sais plus. Pourquoi on va en analyse ? Comment ? Pourquoi nous allons voir en analyse ? Pourquoi on va en analyse ? Donc, parce que quelque chose ne va pas bien, et non pas pour des raisons didactiques. Qu'est-ce qui fait qu'on écrive un poème ? Je pense que c'est à partir de la faille de l'être qui nous est propre. Quelqu'un comme Madame Le Pen n'écrira jamais un poème, je pense pas. Difficilement. Madame Le Pen, non, je la vois mal écrire un poème, mais bon. Pourquoi pas. Tout est possible. On est écrit à partir de sa blessure, on écrit pour que quelque chose s'envole, naisse de cet endroit-là. Voilà. Et vous avez cité au début, j'avais parlé de cette référence de Lacan, dans laquelle il avait le jeu du règle, le règle du jeu. Donc je voudrais nous transposer un peu sur la question du jeu, qui peut-être appartient dans les deux domaines, mais d'un jeu libre, de la façon dont Winnicott parle de cela, de la façon dont Freud parle de l'association libre. C'est pas cela qui fait le poème, c'est pas cela peut-être qui fait le rêve, mais il y a une question de jeu dans tous les deux. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose sur cela. Quand vous dites jeu, je pense au rébus. Et effectivement, la trouvaille quand même de Freud, c'est de dire que le rêve est un rébus, c'est-à-dire qu'il y a la lettre dans le rêve, il y a l'image, il y a la langue. En fait, il y a cette espèce d'entrecroisement absolument invraisemblable qui va au-delà donc de la narration du rêve. Quand Freud se penche sur le rêve. Et Freud parle aussi du jeu sérieux de l'enfant. Quand je crois que c'est dans le... quand il parle du processus de création, je ne sais plus quel est le titre de ce texte-là,
il parle du jeu sérieux et il compare l'enfant qui a un jeu sérieux avec l'artiste qui joue sérieusement ici, et l'écrivain qui joue sérieusement. Donc je suis d'accord avec le fait qu'en effet on ne parle que de sa place, mais on écoute aussi que de sa place en tant qu'analyste. C'est-à-dire que la dimension du transfert telle qu'elle a été découverte par Freud, c'est justement que c'est l'un par un, c'est chacun de sa place. Et je suis très touchée et très étonnée en même temps de voir comment certains analysants, les demandes d'analysants, enfin de personnes qui viennent faire une demande, parfois ça peut être sur ce signifiant-là de l'écriture. C'est quelque chose qui, évidemment, quand on n'a pas publié, c'est pas sur ce signifiant que ça va fonctionner, ça va fonctionner sur un autre signifiant. Par exemple, je travaillais dans une rue qui s'appelait rue des Lys, et le délice faisait que, voilà, ça accrochait pour certaines personnes. Donc on sait bien qu'il y a quelque chose de l'ordre du signifiant qui fonctionne là. Mais lorsqu'on a publié, il y a quelque chose qui se passe, enfin pour moi c'est mon expérience, je ne sais pas, peut-être déjà que ce serait intéressant qu'on dise quelque chose, autour de cette question de l'écriture. Et l'écriture, c'est pas que... Il y a l'écriture, il y a différents niveaux. Il y a déjà, on a dit, le surgissement des poèmes, et puis après il y a le travail sur le poème, après il y a la publication, ce qui est encore autre chose. Et puis après il y a le fait que quelqu'un va, quand on est analyste, accrocher ce signifiant-là. Donc il y a des tas d'éléments comme ça qui font que, pour ce qui me concerne, j'essaie d'être attentive à ces signifiants, justement, pour ne pas comment me laisser piéger, où ça vient. Mais ça, c'est le travail dans le transfert. Voilà. Et alors, pour revenir à la question du jeu, j'ai lu, je me dis que, évidemment, que il y a quelque chose de l'ordre du semblant, si on dit le jeu, le semblant qui vient là, et dont on n'a surtout pas à être, à être prêt complètement et à se. Se laisser emporter par cette part d'illusion, quoi. Voilà. Et ça, c'est le travail dans le transfert aussi. C'est comment on écoute dans le transfert. Oui, comme vous avez parlé de rêve comme un cadeau pour l'analyste, vous avez parlé du transfert. Donc la question de l'autre, il y a sans doute, c'est Lacan qui l'a mis avec le grand A, etc. Mais je me demande s'il y en a la question de l'autre aussi. Et dans l'écriture comme processus créatif, mais aussi dans l'écriture comme publication qui s'adresse à l'autre à travers le livre. Donc, quelle est, à votre avis, la place de cet autre dans ces deux cas, si vous voulez dire? Ça va dans tous les sens. La place de l'autre, la place du grand autre, comme l'appelle Lacan, c'est la place qui nous fait écrire, qui nous fait rêver, qui nous fait désirer. C'est la place vide à laquelle on s'adresse sans arrêt et avec laquelle on dialogue. Mais bien sûr, le grand autre, c'est le lieu du symbolique pur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse à attendre. Mais c'est lui qui nous fait créer. C'est parce que cette place vide existe et qu'elle est tout le temps projetée au-delà du désir, en avant du désir, qu'elle fait que nous puissions créer, tout simplement, qu'elle nous mette en mouvement. Donc ça, c'est pour cette question de l'autre. Me semble alors tout à fait à l'horizon du poète comme de celui qui cherche sa vérité, enfin, c'est-à-dire celui qui vient s'étendre sur un divan, c'est ça aussi.
Et puis il y a, une autre chose à laquelle je pense, qui est le, ce que Lacan appelait le signifiant maître, qui est le, la mort, tout simplement, et qui est aussi ce lieu autour, de tout, autour duquel on ne cesse de tourner. Le signifiant maître, la mort, c'est celui qui occupe toute la place, par exemple, dans Mort à Venise, pour reprendre ce film. Si vous vous souvenez de ce film, que vous avez tous vu, bien sûr, la mort est omniprésente, dès le début. Elle grimace de tous les côtés, elle est dans les parcours de Venise, menacée par le choléra, elle est dans la grisaille du début, dans la lagune où le bateau se profile, et elle est de nouveau d'une façon paroxystique dans cette émergence de lumière folle à la fin où tout se brise, tout est emporté. Donc c'est vraiment un film sur la mort, enfin, et qui a créé une œuvre extraordinaire. Parce que c'est sûrement la plus belle œuvre pour moi de Visconti. Un chef-d'œuvre absolu. Place du grand autre, place du signifiant maître qui est la mort, place du désir qui nous meut et qui se nourrit de tout cela. Le poète est pris là-dedans comme l'analysant, c'est évident. Et pour reprendre tout à l'heure une chose qui me semble essentielle, c'est qu'en effet, je ne crois qu'il n'y a pas d'analyse qu'on peut dire réussie ou un peu qui est servi à quelque chose si elle ne débouche pas sur un processus de création. Je pense qu'il est non. Le but de l'analyse, comme le disait Lacan, je crois, et Freud, c'est d'aimer et de créer. Et de pouvoir aimer, créer, travailler. Et donc, c'est-à-dire s'accomplir comme être humain, tout simplement. Le poète est pris là-dedans aussi à sa façon. Mais il est pris d'une façon d'un jeu. Parce que c'est vous parlez de ce film-là, et sous l'ombre de la mort, il y a toujours le jeu du désir. Hein? Parce que c'est ça qui est l'intérêt dans ce film. C'est si violent dans ce film. Oui, parce qu'il y a d'un côté la violence de la mort, mais de l'autre côté, c'est la violence du désir. Hein? Parce qu'il y a le jeu du désir qui met les choses en mouvement. C'est pas la mort. La mort, c'est quelque chose qui mobilise, qui fait que le monde... Mais justement, dans ce film, la mort et le désir se croisent sans arrêt. Oui, mais c'est comme ça. C'est nous qu'on fait. Oui, on ne peut pas dire qu'il y a désir sans mort. Hein. Il y a, l'horizon du désir, c'est la mort. Et je crois que le jeu, comment faire mettre en plus grande distance... C'est la mort en ce qui concerne le désir dans sa relation avec la mort. Il y a deux choses qui me sont venues. La première, oui. C'est un petit texte de Fédida. Oui. Oui. En fait, quand j'ai eu cette idée là, du rêve et, à propos du site terrassien, là, de proposer au poète de la tête à l'envers de dire quelque chose du rêve. Dans la poésie, pour eux, dans le rapport à la poésie, j'ai trouvé ça. Le rêve est en quelque sorte, dans la nuit, le seuil d'un passage entre les vivants et les morts. Ça, c'est Pierre Fédida. L'autre chose que je voulais dire par rapport au jeu du désir et de la mort, c'est que je me suis toujours intéressée au trauma, là encore, du fait de mon histoire. Et il y a quelque chose effectivement d'une sorte de fascination de la mort qui peut venir du fait de la rencontre dans le réel, de la rencontre de la mort dans le réel, et qui vient finalement comment donner beaucoup de poids à la mort.
Et donc, c'est en ça que je pense que la façon dont un analyste va accueillir ou pas cette fascination qui est une fascination qui va s'exercer par exemple dans l'impossible à dire ou qui va s'exercer dans la répétition du cauchemar ou enfin bref dans des choses comme ça, la façon dont un analyste va accueillir ou pas a une importance dans le transfert. C'est ça que je voulais dire. C'est que on n'est pas tous égaux par rapport à la mort, à l'expérience de la mort, voilà. Et que on n'est pas tous égaux, y compris, justement, par rapport à l'expérience de la mort dans l'histoire familiale. Et j'ai reçu beaucoup de personnes ayant des histoires liées à la Shoah, ou bien à des histoires qui viennent croiser la petite histoire et la grande histoire. Et il me semble, comme tu le dis, Jacques, qui est de façon tout à fait importante, une analyse qui va permettre à ces personnes d'aller dans quelque chose d'une créativité qui n'est pas obligatoirement artistique, hein, qui peut être une créativité dans la vie pratique, dans la vie quotidienne. Ça, c'est gagné contre la mort, quand même. Dans la vie des sentiments aussi, dans la vie des paroles, pas seulement de l'écriture. Oui, tout à fait. Et bon, alors après, là, on rentre dans est-ce qu'un analyste doit vouloir soigner ? Non, pas soigner, mais à entendre un certain nombre de clivages aussi importants, quelque chose se soigne. Voilà. Oui. Oui. J'associe par rapport à ce qu'il vient de dire, ce qu'il a dit sur la mort, il s'agit de... Très souvent, ceux qui viennent nous voir sont piégés par la mort. Et la mort, qui vient parfois de beaucoup plus loin qu'eux. Il me revient un cas que j'ai cité justement dans ce texte, et qui me semble particulièrement fort. Je recevais quelqu'un qui me disait à l'époque, il y a fort longtemps, donc je comprends, qu'il voulait toujours, au moment de mourir, avant de mourir, qu'on lui fasse écouter La jeune fille et la mort, le fameux quatuor de Schubert qui s'appelle La jeune fille et la mort. Alors il me racontait ça, ça revenait, La jeune fille et la mort. Et un jour, j'ai dit, mais en fait, cette jeune fille est plaque, c'était immédiat. La jeune fille morte est réapparue. C'est-à-dire qu'elle existait, cette jeune fille. Cette jeune fille, c'était tout simplement la tante de ce garçon qui était morte à 16 ans. Et la mère de ce patient, plus jeune, se sentant tellement coupable que sa sœur aînée, si belle, que son père adorait, vient à mourir, la mère avait d'abord été tombée très gravement malade après cette histoire, et au moment de la... Elle avait fait un vœu inconscient, bien sûr qu'elle l'ignorait totalement, c'était de rendre à son père sa fille morte, qu'elle croyait lui avoir probablement tué. Et au moment où son fils est né, celui qui était chez moi en cure, elle l'a offert à son père. Et d'ailleurs, ce fils, elle n'attendait pas un garçon, elle attendait, ce qui est rare, parce que souvent les femmes attendent un garçon en général, la première fois. Elle attendait une fille. Et elle était déçue. Et donc, ce garçon, cet homme, portait sur lui le fardeau de cette mort, de cette femme morte, qui inhibait toute sa vie, qui l'empêchait de vivre, tout simplement. Tout a changé à partir de ce moment. Mais voilà, c'est insignifiant qui revient comme ça. Ça c'est vraiment... C'est une belle histoire, mais
C'est pour dire combien la mort peut être en effet présente et combien on a affaire tout le temps à elle dans ce travail, d'une façon ou d'une autre. Et je crois que Freud, quelque part, dit que comme les enfants ont le jouet pour jouer, les adultes ont souvent la langue pour jouer. Donc la langue et la parole ont une place dans la poésie et dans la psychanalyse aussi. Langue parlée d'une façon, dans la psychanalyse, langue écrite, ou en lecture dans la poésie. Donc, je voudrais, si vous voulez parler quelque chose, dire quelque chose sur cette question du jeu de la langue. Et vous avez un peu parlé de ça en parlant du signifiant, du signifiant maître, tout ça. Et qu'est-ce qui. C'est que vous, dans votre exemple clinique, il y a ces fardeaux qui se déplacent à travers la parole. Donc, c'est le jeu de la langue qui transmet, c'est les paroles qui fait transmettre le fardeau de la mort. Le fardeau. Oui. Donc, c'est d'un côté donc, la langue qui est la matière du jeu dans la vie adulte, mais qui se partage entre la poésie et la psychanalyse aussi. Alors, la langue est étrangère. Toute langue est étrangère, finalement. Enfin, plus exactement, peut-être que l'on ne peut je ne sais pas si toute langue est étrangère, mais ce que je sais, c'est que pour moi, toute langue est étrangère. Je vais revenir à ça. Je suis née dans la langue arabe, et dans la langue française, mais très petite, la langue arabe était très présente et je ne la parle pas. Et j'ai un rapport au français qui est un rapport de langue étrangère, curieusement, c'est-à-dire que parfois les mots, j'ai plus les mots. Et c'est là d'ailleurs où je me dis que peut-être que la langue arabe est derrière, mais que je ne la entends pas. Voilà. Mais quand on est analyste, on écoute cette autre langue, justement. C'est-à-dire, il y a le blabla, on va dire. Et puis il y a cette parole qui va surgir, comme le disait Jacques, ce mot que tu entends, jeune fille, hein, jeune fille. Hein, hein. J'imagine que quand un lecteur lit de la poésie, c'est ce même jeu avec des tas de niveaux différents qui vient le percuter, qui fait qu'on aime un poète et puis un autre ne nous touche pas. Donc il y a bien quelque chose du côté justement de cette épure qui va apparaître dans le poème, mais aussi dans l'entre-deux de la langue, c'est-à-dire pas seulement dans la signification, dans le sens, mais justement dans ce qui va échapper et qui est entre les mots, dans les silences, dans ce que un rapprochement tout à coup fait surgir, peut-être comme justement dans l'interprétation dont tu parlais, tout à coup tu fais un rapprochement qui vient éclairer tout un pan de l'histoire finalement qui était peut-être resté non dit, insu jusqu'alors. Et du coup, je me pose la question de ces poèmes qu'on rencontre un jour et puis qui vont, ou de ces mots, qui vont traverser toute une vie, c'est-à-dire qui viennent tout à coup faire sens. Et je pensais à cette phrase de Breton, je crois que c'est Breton, c'est... je l'ai oublié. Elle est en exergue de mon recueil, je l'ai oublié, sur le désir, justement, de ne pas...
Donc, cela que j'ai entendu, c'est bon, je repense à ça, dans une salle de cinéma, cette phrase, dans un film, et qui est quelque chose qui est là tout le temps dans mon existence, en pointillé, et je me dis que, ah merci, il s'agit de ne pas, derrière soi, laisser s'embroussailler les chemins du désir. Hein, c'est dans le Breton, dans l'amour fou. Et je me souviens être allée deux fois, trois fois au cinéma pour réécouter cette phrase-là. Voilà, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qui parlait tant? Et je me dis que quand on lit de la poésie, quand on est dans des situations tellement compliquées, difficiles, par exemple en prison, il paraît que les prisonniers lisent beaucoup plus de poésie que de romans. Donc il y a quelque chose qui vient interpeller. Oui, parce que c'est aussi, au-delà du jeu de mots, il y a le jeu de sons. Il y a les sons. On a commencé par l'image, mais il y a aussi le son. Les voyelles, les consonnes, les sons qui. C'est pour ça que j'ai parlé de la lecture, et la parole parlée en analyse. Ce sont l'oralité, ce sont les sons, c'est l'écoute aussi. Et... Je crois que notre amie libraire est en train de voir l'heure qui passe, elle a un horaire. Ah, moi je suis la mauvaise. J'essaie de m'aider un petit peu. Il nous va arrêter. Oui. On peut nous arrêter sur le jeu de son avec le jeu du silence. Donc c'est entre le son et le silence qu'on peut s'arrêter. Joli, très joli. Qu'on peut s'arrêter ici. Merci bien. Merci. Merci. Vous m'entendez là? Oui. C'est bon? Oui. Non, parce que je peux aller plus fort. C'est bien. Alors, j'ai mes petits papiers. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir au Lexico Bolio. Καλησπέρα σας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σας φιλοξενούμε εδώ στο Λεξικοπολείο. Vous remarquez la traduction rapide. Les rencontres de poésie ou les rencontres poétiques d'aujourd'hui et de demain entre poètes grecs et francophones sont organisées en partenariat avec les éditions La Tête à l'envers, dont l'éditrice Dominique Sierra est ici avec nous et je te remercie du fond du cœur, Dominique, vraiment. Ça se fait un cadeau. Ainsi que grâce à l'organisme de la communauté française de Belgique, Wallonie-Bruxelles internationale, et que nous remercions chaleureusement de nous permettre d'avoir la poète Anne Penders auprès de nous. Merci Anne. Je vais le dire en grec maintenant. Et bon. Συναντήσεις, ποιήσεις, σήμερα, που γίνονται σήμερα και θα γίνουν αύριο, μεταξύ Ελλήνων και Γαλλόφωνων ποιητών, οργανώνονται σε συνεργασία με τις εκδόσεις La Tête à l'envers, για τις οποίες η εκδότρια Dominique Sierra είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε θερμά που είναι εδώ. Και είναι επίσης χάρη στον οργανισμό της Γαλλικής Κοινότητας Βελγίου, Wallonie-Bruxelles International. Χάρη σε εκείνους έχουμε την Βελγίδα ποιήτρια, Anne Penders, που είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε θερμά. Nous tenons plus particulièrement à remercier tous les poètes qui ont effectué le déplacement depuis la France et la Belgique. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους ποιητές που είχαν την καλοσύνη να έρθουν από τη Γαλλία και το Βέλγιο να είναι εδώ μαζί μας. Un grand merci également au directeur de l'Institut, M. Michael Auchan, d'être parmi nous. Vraiment merci, nous sommes très reconnaissants. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον διευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου, ο κ. Μικαήλ Οσόν, που έρχεται για να μας διαβάσει κάποια ποιήματά του. Ευχαριστούμε. Nous remercions tous les collègues poètes grecs
d'avoir accepté de participer à ces rencontres. Elle avait gardé le fait que tous les pietes ou si maintenant qu'on est certes des synandices. Qu'est-ce un grand merci à Panayotis Ioannidis, sans qui ces rencontres n'auraient pas pu se réaliser. Et la μεγάλο ευχαριστώ στον Παναγιώτη Ιωαννίδη, χωρίς αυτόν όλο αυτό δεν θα είχε γίνει. Je dois dire ici, sans mon papier, que vraiment ces deux journées se sont faites vraiment grâce à Dominique Sierra et à Panayotis Ioannidis. C'est eux vraiment qui ont ont mis tout le monde en contact, qui ont vraiment tout organisé, qui ont mobilisé, et vraiment un grand merci à tous les deux. Que gossas, ευχαριστώ. Δεν μιλάω καλά, μα ευχαριστώ. Αυτό πρέπει να το. Il faut que je le dise en quelle langue ça. Thaïlandais pour commencer. Mais vous avez tous compris, hein? Oui, c'est bon? D'accord, ok. Alors après, autre chose. Je voulais vous dire qu'après la présentation, les poètes vont signer leur livre et le vin sera servi. Λοιπόν, μετά από αυτή την εκδήλωση, οι ποιητές θα μπορούν να υπογράψουν, να κάνουν, πώς το λένε αυτό, ναι, αυτά τα βιβλία τους και θα κεράσουμε και κρασί. Αυτό. Νομίζω τα είπα όλα. Εσύ δεν θα με πάρεις με το βίντεο με αυτό. Το κόβεις. Voilà. Et quoi d'autre? Eh bien maintenant, Panayotis, c'est à toi. Oui? Oui? Donc, je vais bénéficier du micro pour remercier Lexicopolio de cette invitation, et évidemment Dominique Sierra et Anne Penders, parce que, oui, sans eux, ceci n'aurait pas eu place. Et je veux aussi remercier tous les poètes francophones et grecs pour avoir bien voulu participer à des ateliers de traduction mutuelle qui ont lieu cet après-midi et auront lieu demain aussi. Et vous bénéficierez toutes et tous des fruits de ces ateliers de traduction. Με τη σειρά μου λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω το Λεξικοπολίο και την Dominique Sierra και την Anne Penders, γιατί αυτό που κάνουμε σήμερα και αύριο προέκυψε από τη συνεργασία και η πρόσκληση προήλθε από το Λεξικοπολίο, πρόσφατα μετά λόγια γίνεται. Επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις ποιήτριες και τους ποιητές, γαλλόφωνους και Έλληνες, για τον ενθουσιασμό, αν και τη λίγη ανησυχία με την οποία δέχτηκαν να συμμετάσχουν στα μεταφραστικά εργαστήρια που έλαβαν χώρα σήμερα και θα συνεχιστούν αύριο, τους καρπούς των οποίων θα ακούσετε στις δύο γλώσσες κατά τη διάρκεια των αναγνώσεων. Donc, on va commencer avec Michael Rochon, Simone Molina et Dimitra Kotula suivront. Florent Papin et moi-même, Anne Penders et Maria Topali. On finira avec Linos Ioannidis et Marios Hatzikoropoulou pour aujourd'hui. Donc, je vais faire des petites introductions. Vous connaissez sans doute ceux qui vivent à Athènes, Michael Rochon, il est né en Hollande. Il a passé ses 20 premières années en Bretagne et trois de ses livres ont paru aux éditions Chênes. Couramment, il est directeur de l'Institut français de Grèce. Et j'espère que vous verrez bien comment sa poésie, avec une austérité qui touche à l'hermétique et avec des cadences souvent rituelles, retient une fascination assez austère. Bénéficie aussi d'un micro. Ça a l'air de tenir. Ah ouais,
je vais le tenir. Ben merci beaucoup d'être là. Moi, je suis très heureux d'être ici pour rencontrer les poètes que je ne connais pas, et puis tous les amis qui sont là. Moi, je viens un peu en voisin, parce que l'Institut français, finalement, c'est pas très loin. Et juste un mot, entre parenthèses, en tant que directeur de l'Institut, pour féliciter quand même cette très très belle manifestation, et plus largement les Psychopolio, qui fait pour la langue, et pour la littérature, et pour la culture française, un travail qui est vraiment exceptionnel et remarquable, et on est très fiers d'être partenaire de les Psychopolio. Voilà. Donc ça c'est dit, je referme la parenthèse. Et puis je remercie aussi Panagiotis qui a bien voulu, puisque je n'ai pas participé aux ateliers de traduction, mais traduire un de mes poèmes. Donc je crois que notre temps en partie est assez limité, donc je ne vais pas être trop long, simplement pour vous dire qu'en effet, moi j'ai publié 3 recueils chez Chêne, donc Pâle si la nuit en 2002, je crois. Terre à monde en 2007, et puis Formant série sans trace qui doit dater de 2012 ou 13. Peut-être 12-13. Et puis des publications en revue, dont c'est celle que j'ai amenée parce que j'aime beaucoup ça. Je ne sais pas si vous la connaissez, Les états provisoires du poème, qui est une revue qui est publiée aussi chez Chêne, mais c'est une coédition Chêne et Théâtre National Populaire. C'est vraiment une excellente revue. Voilà, donc, que vous dire ? Moi, je ne vais pas parler de ma poésie, parce que je pense que je suis probablement le moins bien placé pour vous en parler. Donc, je vais plutôt vous lire un poème, au début, comme ça vous vous rendrez un peu compte de la façon dont j'écris, la façon dont j'essaie de transmettre un certain nombre de choses, et donc je vous propose de commencer par ça. Alors, par contre, je vais essayer de trouver un dispositif pour à la fois lire tout en tenant le livre. On va y arriver, tout ça est en direct. Merci. Voilà, globalement ça marche. T'es-tu là ? Non, ça c'est un... Ah oui, mais ça c'est la revue, c'est le numéro spécial de la soirée. Voilà. Ouais. Voilà. Donc je vais vous lire un texte. En plus ça marche toujours. Je vais vous lire un texte de ce premier recueil donc, qui s'appelle Pâle si la nuit, qui a été publié en 2002. C'est un texte, alors je dis recueil, mais justement c'est pas un recueil parce que mes livres ne sont pas des recueils au sens classique du terme, ce sont des textes qui ont été écrits avec, je dirais, une idée directrice et une constance dans l'écriture pendant un certain nombre de mois et qui forment des livres. Moi j'écris depuis l'âge de 14 ans, ça fait presque 30 ans que j'écris de la poésie, j'ai 3 livres, donc j'écris beaucoup, je publie pas beaucoup, voilà, c'est comme ça. Alors je vais vous lire un poème de ce livre qui date de 2002. C'est un livre qui a été, alors Panagiotis parlait d'austérité, c'est assez juste, c'est un livre qui a été, en tout cas celui-là, qui a été dicté par un événement à la fois géographique et personnel, qu'il y a un deuil qui m'a énormément marqué à l'époque, qui me marque toujours d'ailleurs. Et donc je vais vous lire un, je le dis parce que ça permet aussi de peut-être d'avoir une meilleure compréhension du texte. Alors je vais vous lire ce texte qui donc est à peu près à mi-chemin entre le début et la fin du livre. Voilà. Ce truc m'inquiète. Mais ça va. Histoire seule d'être à terre, histoire aux soucis neufs allongés, déployés du neuf tendu en croix, à terre, histoire étalée promise à la nef, tendue, détendue, une histoire. Soluble seul aux mille faces effacées, à terre, plus rien pour d'emblée au monde, temps collé, autre temps, autre que le temps d'aller, rien pour rien au monde, personne, le même aboli passé aux minutes coupantes, au plus pur seuil comblé. Histoire se désire d'être seule une histoire. Seul dans la nef de pas transparent, à l'angle perdu à nouveau, devant les pas, recul de la lumière devant l'ampleur des pas, à terre. Histoire,
au lieu de l'esprit dans l'esprit. Lieu lumineux encore ouvert, recours encore ouvert. Histoire de l'écho repris de l'esprit, accord perdu, mimé, à terre, tout étendu, tendu, verrou, à terre. Blason ici du corps en deuil, accord ici perdu, noyé d'air saturé sur les pas, noyé des poings peu à peu éteints. Blason des bras croisés tendus de pleine ampleur, bras blanchis, tendus, aux nerfs coupés, histoire légère sur le seuil du corps perdu, sur le seuil noyé de brouillard cristallin, noyé, léger, de tournoiement des chaînes, bras croisés en réponse aux pierres, aux bois croisés, monde désormais adverse, voile descendu, pris. Seul d'être aussi d'histoire, seule personne pour rien à ce comble, comble, cumule, tel péril assagi, calmer des lumières, face oubliée, à terre, fête oubliée, recouvert, face effacée, fête lointain, seul pour personne, face éteint, à terre. Histoire nue d'aller accoucher, pour personne, pour d'autant plus rien au monde, monde adverse, endroit désormais clos, endroit de presque espace mort constellé, à terre, enfin coupé. Seul couché, l'immersion lumineuse, lumière seule du corps allongé, tendu, corps froid comme les pierres, comme le monde adverse, corps allongé, plongé, sous le voile, voile descendu, à terre, comme les pierres, pris. Voilà, donc ça c'est la fin de ce texte, donc qui est une partie de Pâle si la nuit. Voilà, je ne vais pas commenter plus. Simplement peut-être vous dire que pour moi la poésie c'est une pratique, bien sûr j'ai dit tout à l'heure, j'écris depuis longtemps, donc c'est une pratique quotidienne, mais c'est aussi, je ne sais pas si on attend ça de moi, mais pour moi la poésie c'est, comment le dire, c'est une façon, c'est un pouvoir en fait, c'est une capacité, c'est une façon de... j'aime bien cette image, si vous voulez, de cette image de la rivière ou du fleuve dans lequel on est embarqué, disait un philosophe. C'est ce fleuve du temps, ce fleuve de la vie. Et la poésie, c'est, en tout cas, c'est ma vision des choses, mais c'est en ça que c'est une capacité pour celui qui écrit, celui qui écoute, celui qui lit la poésie. C'est justement de poser une barque au milieu de la rivière et de remonter un peu. Vers l'origine ou vers la source, et de se dire un peu cette eau là qui est un peu fraîche, il y a sûrement un endroit où elle est encore plus fraîche, où elle est encore plus incroyablement belle, et donc cette façon de remonter vers l'origine, pour moi c'est ça qui fait le pouvoir de la poésie. Il y a un pouvoir de la poésie, il faut le dire, il ne faut pas hésiter à le dire, et donc je le dis ce soir, et pour moi ce pouvoir de la poésie c'est aussi un pouvoir, donc il y a cette première quête, qui est un peu une quête des origines, une origine de quelque chose de plus beau, d'une sorte de pureté. Mais c'est aussi, je dirais, une capacité d'invocation, pas d'évocation, mais d'invocation, invoquer, et par le mot invoquer, un monde qui soit un monde plus beau, qui d'ailleurs c'est pas forcément un monde différent du nôtre, c'est simplement notre monde. Une fois qu'on a déchiré le voile de l'habitude, du regard quotidien, du regard routinier, déchirer aussi le voile de la langue quotidienne, qui est une langue de communication. Et donc c'est cette capacité d'invoquer une splendeur. Il y a cette phrase de Kafka qui est magnifique, vous la connaissez sûrement dans son journal, c'est en 1921, où il parle de la magie, et il dit... il parle justement de cette invocation, mais je l'ai là, je crois que je l'ai prise là. Je fais mieux de citer bien que citer mal de mémoire. Donc je l'ai là quelque part. Il dit : il est parfaitement concevable que la splendeur de la vie se tienne à côté de chaque être et toujours dans sa plénitude, mais qu'elle soit voilée, enfouie dans les profondeurs, invisible, lointaine. Elle est pourtant là, ni hostile, ni malveillante, ni sourde. Qu'on l'invoque par le mot juste, par son nom juste, et elle vient. C'est ça l'essence de la magie, qui ne crée pas, mais invoque. Et donc, ce que, sûrement vous connaissez cette phrase de Kafka, mais ce que Kafka désigne par la magie, ou ce qu'il appelle magie, moi je le reprends volontiers à mon compte pour la poésie, dire que par son nom juste, la splendeur de la vie, elle vient.
Donc c'est une forme d'invocation. Voilà. Peut-être que c'est le moment de parler de ce recueil, puisque c'est dans ce livre-là qu'il y a un poème qui a été traduit. Donc celui-ci, c'est Formant série sans trace, qui est un livre donc, de 2007, et qui est un livre qui essaye de... comment dire, pas de montrer parce que c'est pas une démonstration, mais qui parle de cette espèce d'étonnement, en fait, de la simultanéité de tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on se pose et qu'on commence à réfléchir, à regarder les choses autour de soi, on est contemporain d'un nombre incroyablement incalculable de choses dans le monde, d'être, de sentiments, de visions. Et cette simultanéité-là, quand on y réfléchit une seconde, elle est quand même incroyable. Et donc ce livre là il est autour de cette idée là donc je vais peut-être lire un poème qui s'appelle L'édifice, que Panayotis a eu la gentillesse de traduire. Avec plaisir. Donc voilà, il s'appelle L'édifice dans Formant série sans trace. Une fois enlevée la part volante des courbes et des nuques, il nous sera resté plus d'ombre que d'écho. Mais tout n'a pas disparu. L'édifice, envahi de pierres et de mouvements, reste une forme d'emprunt, la source d'un pli dérouté, la page d'une course, un point qui s'affaire, s'exclame, un départ à la fin de cette distraction. Ça et là, là et ça, seulement qui s'est laissé aller. Ça qui n'est pas rien, faire ça. Le jour, la foule fait ça. Enlève et livre dans l'exact, avec la facétie d'un avant-goût, ce point-là qui aura dénié la faille et l'entrée. Je prends l'autre micro qu'on ne dérange pas, celui-là qui... Ce dispositif branlant mais en moins vitesse à ce stade. Pareil, ça n'a qu'à la mémoire de la vie de l'intérieur de la chambre. Ça te connaît les plus autres décédés du Gallico Instituto. Έχει γεννηθεί στην Ορλεάνη, μεγάλωσε τα πρώτα 20 χρόνια στη Βρετάνη. Έχει βγάλει 3 βιβλία από τις εκδόσεις Shen και νομίζω και στα γαλλικά θα το ακούσατε και ελπίζω και στην μετάφραση να έχει διασωθεί μια ιδιαίτερη ξηρότητα και αυστηρότητα που παρά τα αυτά συμβαδίζει με κάποιους ρυθμούς σχεδόν τελετουργίας και αυτό που μόλις έλεγε για την επίκληση. Η λειτουργία της φύσης ως επίκλησης, νομίζω, συμβαδίζει με αυτή την αίσθηση. Σας διαβάζω λοιπόν τη μετάφραση του ποίηματος που μόλις διάβασε. Το κτίσμα. Αφού αφαιρεθεί το υπτάμενο τμήμα των καμπυλών και των αυχαίνων, θα μας απομένει πιο πολύ σκιά παρά ηχό. Μα δεν εξαφανίστηκε το παν. Το κτίσμα, πλημμυρισμένο με πέτρες και κίνηση, παραμένει μια μορφή δανείου. Η πηγή μιας πτυχής που αλλαξοδρόμησε. Η σελίδα ενός αγώνα δρόμου. Σημείο που τυρβάζει και αναφωνεί. Αναχώρηση στο πέρας ετούτης της διασκέδασης. Εδώ και εκεί. Εκεί και εδώ. Που αφέθηκε μονάχα. Αυτό που δεν είναι το τίποτε. Αυτό να κάνεις. Και τη μέρα το πλήθος αυτό κάνει. Αφαιρεί και παραδίδει στην ακρίβεια. Με τον αστεϊσμό μιας πρόγευσης. Αυτό εκεί το σημείο που θα έχει αρνηθεί το ρήγμα και την είσοδο. Je ne sais pas s'il me reste encore beaucoup de temps, mais je peux lire encore deux poèmes peut-être. Je voulais vous présenter ce livre donc, qui s'appelle Terre à Monde, donc, qui a été. Oui, j'ai confondu, je suis là, c'est Formant série sans trace, c'est 2012, et c'est Terre à Monde, le deuxième, qui est publié en 2006. Et c'est un livre qui. C'est un livre sur la langue plutôt, c'est un livre qui est plutôt centré sur la question de la langue et notamment sur cette espèce de combat entre la langue commune, la langue quotidienne,
la rumeur, la langue maternelle ou paternelle, et ce combat entre cette langue-là et la langue individuelle, la langue de l'enfant jusqu'au poète, quoi, finalement. Donc, je vais vous en lire un morceau qui s'appelle « Du frêle et de l'amas ». Logeant le frêle, le discours à venir, à vivre vers cette parole insigne. Logeant dans ce babil le songe d'une langue. Logeant le frêle sur une terre neuve, sur un terrain d'attente. Logeant l'amas, comme en liant de souffle débordé, l'amas de son ténu, décimé par la vague, par le trait incisé dans la terre immobile, l'habile. L'amas de raies du jour, comme un berceau de bulles, de lumière écartée, assagie, assignée sous un tas insipide, raté. L'amas sali, tronqué. L'amas de bris qui n'ont pas su finir. Arrivé dans le jour, la lumière inconnue est donnée par hasard, par chaleur. L'amas perdu, sans aucun lieu, sans aucun signe dans le jour, dans le raid de l'insigne joyeux. L'amas cité est comme en fête, et comme en joie de n'être rien. Amas de là, sans être ici, sans même encore un lieu, sans même un bris. Amas de souffle seul dans le règne imposé d'une terre immobile. Logeant la voix légère, les sons perdus d'une langue à venir, à prétendre la phrase, l'essence mince de sa langue. Logeant le frêle appui dans un abri de lame, de fil à tordre sous l'amas, la masse issue de la rumeur. Logeant le souple sans discours, la mince tranche de la voix. Tout le fragile déployé, avant tout la lumière, la fête, incluse dans presque rien, dans presque tout, logeant dans presque rien, tout le gracile émis sous le couvert, sous l'amas épuisé. Séché de trop de langues, de passages, tout le fragile délié, muet. Voilà, et puis, pour finir, parce que je ne veux pas prendre trop de temps, je pense que j'ai pris un peu de temps, je voulais simplement vous présenter donc, cette revue qui est vraiment État provisoire du poème, qui est une revue que j'aime beaucoup, et dans laquelle j'avais publié un texte qui s'appelle « De la cité commune », qui est un texte de commande, parce qu'au moment de la restauration de la Dame à la licorne au musée de Cluny, en fait, il y avait eu une soirée pour célébrer la restauration des tapisseries de la Dame à la licorne, et un certain nombre de poètes avait demandé à un certain nombre de poètes d'écrire quelques textes, et moi j'avais écrit celui-ci, qui est un texte assez long, donc je ne vais pas... faire l'affront de tout lire, mais je vais vous en lire un petit morceau. Voilà, disons le début. Disant les heures à ce tourment d'effet, à l'enclos des passages, des cités, disant les heures de sorte, de façon, avec l'empreinte des dessins, des fleurs sèches, crissant, autour du lieu d'hommage et de mégarde, disant la foi, et puis la veille, disant les heures du jour au vif de la chair. Touchant l'échange et le support, touchant la place des chaleurs et des craintes, touchant la trame insigne au seul désir d'accompagner, de tordre l'âme à la trame de passage, portant l'hiver et le bas des pénombres, touchant la corne suppliée et le soleil en larmes. Couvert de feuilles, tapis dans un coin ramassé, centre accouru comme un temps raisonné, autant de marches et de peintures, de forces ouvertes en bouquet de carton, couvert, happé, formé d'un rôle que la foi irradie, figure en fleurs de lys, en cercle de faveur. Au fil de chaîne, posant filet d'arcane, voûte de ménage à la fois établie, disant les heures cachées, les lignes, les marches de couture à la fois renvoyées, illustrées d'un récit où chaque étape embrasse la portée, incarne la remarque et le ton de son vœu, disant les heures, les causes, la passion, au sens insigne de la trace d'ivoire, de sang, mêlée à la fidélité du corps, à la fois de ce cadre, au renvoi de raison, pointant les six tentures comme un cercle de joie, un filet de couture où la caresse enchaîne, où la foi établit l'attribut sans attrait, sans marque de couronne ou de ciel présent. Étoile de sang blanc, licorne sans secours, disant désormais seule les heures qui l'entraînent, la joie des eaux mêlées sous les fleurs en tapis, portant la laine fabuleuse avec sa gorge de murmure, sa nuit de chambre et d'eau glacée, sur ce tapis de fleurs complices. Puis, sous la mousse, à sa robe de lierre, opposant un regard immobile et chiffré,
couleur de corne sur la nappe, couleur de neige sans effort, couleur de hâte dénudée, au cœur de tout, du goût étrange de ce rouge de trame, du sang nouveau qu'une prière assigne. Voilà, peut-être on peut finir là-dessus, mais voilà. Merci, Michel Lefranc. Et je vais inviter Simone Molina et Benita Cotul. Donc, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas oublier de faire les introductions dans les deux langues, puis laisser l'espace au poète. Simone Molina est poète et psychanalyste. Elle a enseigné dans plusieurs universités, organismes. Elle est présidente de l'association psychanalytique Le Point de Capiton. Et elle s'intéresse au lien entre psychanalyse et littérature. Elle a été invitée dans plusieurs festivals de poésie et de littérature et donnait des lectures publiques avec des poètes, mais aussi avec des musiciens. Et ses collaborations sont aussi avec des cinéastes, d'autres artistes. Ses principales publications récentes sont Archives incandescentes, Une enfance dans la guerre, Voile blanche sur fond d'écran, notamment, publié par La tête à l'envers. À ma lecture, sa poésie est très riche, avec des tons variés, où les jeux d'enfants, les mémoires, parfois pénibles, et pensées et émotions s'entrelacent. Η Σιμών Μολινά, λοιπόν, είναι ψυχαναλήτρια και ποιήτρια, έχει διδάξει και λογοτεχνία και ψυχανάλυση σε διάφορα πανεπιστήμια και άλλους οργανισμούς. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερως για τη σχέση μεταξύ των δύο και έχει συνεργαστεί επίσης με άλλους καλλιτέχνες, κινηματογραφιστές, μουσικούς, δικαστικούς καλλιτέχνες. Και το τελευταίο, ένα από τα τελευταία της βιβλία έχει βγει από τις εκδόσεις La Tête à l'envers. Και όπως ελπίζω ότι θα ακούσετε και από τις μεταφράσεις της Δήμητρας Κοτούλα, είναι μια ποιήση με πολύ μεγάλη ποικιλία τόνων, όπου τα παιδικά παιχνίδια βαδίζουν πλάι-πλάι με αναμνήσεις συχνά ιδιαίτερως οδυνηρές. Και υπάρχει ένα σπιχτό πλέξιμο σκέψης και αισθημάτων. Να πω επίσης εδώ ότι οι μεταφράσεις όπου υπάρχουν από τα εργαστήρια που έγιναν θα ακολουθούν το πρωτότυπο. Donc les traductions déjà faites dans l'atelier suivront l'original là où elles existent. Alors je vais vous lire d'abord un poème dont j'ai parlé tout à l'heure pendant la discussion. Voilà, comme ça vous l'aurez entendu. Ils se sont étendus sur le fond des océans. Les sources sont taries. Ils contemplent avec désolation les traces infamantes des hommes qui rient avec leur gorge quand ricane leur regard. Un garçon ramasse dans la boue des jouets dérisoires, médailles, pièces d'or, canons déchiquetés. Avant que les eaux ne descendent des montagnes, claires et frivoles, des enfants, debout, allaitent leurs parents au lait de la mémoire. Et puis je vais vous lire des extraits de Voile blanche, qui est paru donc aux éditions La tête à l'envers. Et puis, parmi ces poèmes, l'un qui a été traduit par Dimitra. Un jour, il s'est agi de prendre la parole. C'était il y a des années. Pourtant, les mots échappent et la langue, ma langue maternelle, est étrangère en sa maison. Un conte magnifique fut boué et phare sur la mer.
rêverie au centre de l'énigme, soufflé pour traverser le gué. Il racontait l'amour et la langue, l'amour de la langue. Je ne voyais pas la route, sinon la lumière. Écrire, trace et évidence, pour ne rien achever qui s'est ouvert je ne sais quand. Écrire dans le bercement ou la stridence, cri, affolement muet, foulard de soie posé où surgira la voix au creux de la poitrine. Un jour, ça se détache, lambeau, fragment, copeau. L'outil flamboie et ouvre le passage. Tu n'es ni savant ni prophète, tu vas ta vie, porté par le vent de la plaine, tu vas. L'embrasure des roches est un refuge. Sous la dent, le goût du sel. Le coton des images, sous la paupière, tu imagines l'oiseau de Magritte. Sur les saisons, elles avancent dans le pas du temps. Qu'écouteras-tu ? La fleur minuscule qui pourpre la couronne d'épines ? La lumière nimbant l'olivier ? Les parures de verre d'un mât au-delà des ruines ? L'embrasement tardif des eaux après que l'averse a grossi la rivière, après que le pont a lutté, te rassembler sous le vent sera ton pari. Tu ouvres les yeux et ne vois rien. Tu sens la poussière, tu la respires, non, tu l'inspires. Elle envahit tes narines, ta bouche, pénètre tes poumons. Tu essaies de tousser. Tu déchiffres l'impossible. Les gravats écrasent ton corps, prisonnier. Tu fermes les yeux et ne vois rien. Tu sauras plus tard, une dalle de béton sur tes jambes. Plus tard, tu auras inscrite à jamais la déchirure des muscles. Un creux, à jamais. Non, pas à jamais. Un creux inscrit dans ton corps jusqu'à la mort. Plus tard, tu concevras que la mort seule effacera la trace imprimée sur tes jambes. Tu ouvres les yeux et ne vois rien. Tu sens ton visage ravagé. Non, pas ton visage, un ravage. Tu entends ta voix assourdie. Elle appelle. Non, ce n'est pas ta voix. C'est une voix qui appelle. Ta voix est restée au bord de désastre. Tu perçois les clameurs qui hurlent leur désespoir. Tu ne les reconnais pas comme tu ne te reconnais pas. Les voix sont abandonnées à leur chagrin, à leur effroi, et l'impossible vient se loger là où tu n'es plus, où tu ne seras plus jamais, dans la quiétude à demi meurtrie, dans l'espérance à demi inquiète, dans la demi mesure. Tu devras accepter désormais une vie de tout ou rien. Tu fermes les yeux et ne vois rien. Tu entends un tumulte. Il est exactement logé dans le vide creusé par le désastre. Aujourd'hui, tu sais qu'à écouter les voix des autres, tu essaies de te reconnaître. Non, tu tentes de reconnaître ta voix. Ta voix abandonnée en deçà de la poussière et des gravats, en deçà d'une nuit infinie, partageable, avec les fous et les poètes qui cherchent le corps d'une voix fragile, chantante, enfantine, balbutiante, demeurée au bord d'un gouffre, juste l'instant d'avant désastre, qui attendent le corps d'une voix funambule suspendue au-dessus de la vie sur un fil fragile,
entre l'instant d'avant et l'instant d'après. Ανοίγεις τα μάτια, ανοίγεις τα μάτια και δεν βλέπεις τίποτα. Νιώθεις τη σκόνη, την αναπνέεις. Όχι, τη ρουφάς μέσα σου. Έχει καταλάβει τα ρουθούνια, το στόμα σου. Εισδύεις τους πνεύμονές σου. Επιχειρείς να δείξεις, αποκρυπτογραφώντας το αδιανόητο. Μόρια σκόνης και χαλίκια συνθλίβουν το σώμα σου, το φυλακισμένο σώμα σου. Κλείνεις τα μάτια και δεν βλέπεις τίποτα. Λίγο αργότερα θα καταλάβεις. Θα βρεθείς με μια πλάκα τσιμέντο πάνω στα πόδια σου. Λίγο αργότερα θα έχει εγγραφεί για πάντα πάνω σου η συντριβή των μειώνων σου μέσα σε αυτήν την κοιλότητα για πάντα. Όχι, όχι για πάντα. Μια κοιλότητα γραμμένη πάνω στο σώμα σου μέχρι το θάνατο. Λίγο αργότερα θα καταλάβεις ότι ο θάνατος μόνο θα σβήσει το ίχνος που χαράχτηκε πάνω στα πόδια σου. Ανοίγεις τα μάτια και δεν βλέπεις τίποτα. Νιώθεις το πρόσωπό σου αλωμένο. Όχι, όχι το πρόσωπό σου, νιώθεις τον όλεθρο. Ακούς τη φωνή που δεν ακούει, που όμως καλεί. Όχι, δεν είναι η φωνή σου, είναι μια φωνή που καλεί. Η δική σου φωνή έμεινε πίσω, στο χείλος της καταστροφής. Ακούς τις κραυγές, τις αντιλαμβάνεσαι να μένονται στην απελπισία τους. Δεν τις αναγνωρίζεις. Όλα λες και δεν σε αναγνωρίζουν, δεν σε ξέρουν. Οι φωνές αφήνονται στο βάσανό τους, τον τρόμο τους. Και το αδιανόητο θα καταλάβει το χώρο εκεί που εσύ δεν θα διαμένεις πια. Το χώρο εκεί που δεν θα βρίσκεις πια ξανά την μισοσπυλωμένη ανάπαυσή σου, την μισοκλονισμένη ελπίδα σου, κάθε ημιμετρό σου. Θα πρέπει στο εξής να αποδεχθείς μια άλλη ζωή. Όλα ή τίποτα. Κλείνεις τα μάτια και δεν βλέπεις τίποτα. Αναμένεις να ξεσπάσει ως άλλος που έχει εγκατασταθεί στο κενό που σμίλεψε η καταστροφή. Σήμερα δεν μπορείς παρά να ακούς τις φωνές των άλλων. Προσπαθείς να αναγνωρίσεις εσένα. Προσπαθείς να αναγνωρίσεις όχι τη φωνή σου, τη φωνή εκείνη που εγκατέλειψες, τότε μετά μέσα στη σκόνη και τα χαλάσματα, μέσα σε εκείνη την ατέλειωτη νύχτα, να τη μοιράζονται μεταξύ τους οι τρελοί και οι ποιητές, εκείνοι που ψάχνουν το σώμα μιας φωνής λεπτής, μελωδικής, παιδικής, που τραβλίζει, που κατοικεί στο στόμα του λάκκου. Ακριβώς το λεπτό πριν να ξεσπάσει η καταστροφή. Να τη μοιράζονται εκείνοι που λαχταρούν το σώμα μιας φωνής σαν τεντωμένο σχοινί που κρέμεται πάνω από τη ζωή. Μιας φωνής πάνω στο σύρμα, λεπτής, που μπορεί να ορίζει το πριν και το μετά. Texte de ce recueil. J'ai eu la joie d'entendre dire en France, sur France Culture, par Jacques Bonafé, grâce probablement à l'envoi de Dominique à France Culture. C'est la moindre des choses. Voilà. Il est dans le jardin. Il sait où va le monde qui glisse vers le soir et puis jusqu'au matin. Je le regarde allant courbé vers cette terre. Elle porte son ombrage. La rage qui me tient s'étire. C'est un grand vent. Seul son regard l'apaise. Soudain, il vient et dit « Oui, le soleil se lève, se lèvera encore. » Sur la haine et le sang, il dit, d'autres matins. C'est
peut-être que je vais finir par un petit texte. Sèche au vent du désert les lèvres de l'aube, soif sous l'oranger. Le blanc des nappes défie le lit du songe. Lassitude implorant l'oubli, rien ne vient jamais recoudre la déchirure. Incurable solitude bordée d'agir troublé. Là-bas, pourtant, fuse des rires, éclat de soleil sur l'absence. Merci. Merci, Simone Molinar. Η Δήμητρα Κοτούλα γεννήθηκε στη Κομωτινή και μεγάλωσε στην Ξάνθη. Σπούδασε ιστορία, αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης στα Γιάννενα και στο Λονδίνο. Έχει εκδώσει την ποιητική συλλογή «Τρεις νότες για μια μουσική» και έχει μεταφράσει πολλούς ποιητές, κυρίως Αμερικανίδες ποιητρίες, και έχει παρουσιαστεί σε ευρωπαϊκά και διεθνή ποιητικά φεστιβάλ. Η συλλογή της «Η επίμονη αφήγηση» αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός του έτους. Και σύντομα θα κυκλοφορήσει επίσης μια επιλογή του έργου της στην Αμερική. Νομίζω ότι η ποίηση της χαρακτηρίζει ως στοχασμός και μια στεγνή, αλλά ωστόσο μουσικότητα, οι αναφορές στον κόσμο των εικόνων και αυτό το παιχνίδι ανάμεσα σε αυτούς τους παράγοντες δίνει και το προσωπικό της στίγμα. Δήμητρα Κοτούλα είναι Κομωτινή, Αντράς. Et elle a étudié l'histoire, l'archéologie, l'histoire de l'art à Ioannina, en Grèce et à Londres. Son premier livre a paru il y a plusieurs années, trois notes pour une musique. Et elle a beaucoup traduit, surtout des poètes américains. On attend son second livre cette année. La narration insistante et un choix de ses poèmes apparaîtra aussi aux États-Unis durant cette année-ci. C'est surtout la réflexion alliée à une musicalité assez sèche mais quand même bien marquée et ses références au monde des images qui, je crois, caractérisent très brièvement, évidemment, sa poésie. Ευχαριστώ όλους εδώ, τον Παναγιώτη και τη Σιμών. Merci beaucoup, Σιμών, pour travailler avec moi. Μια σημείωση πριν ξεκινήσουμε. Η αρχική αρχική ιδέα, δεν ξέρω, Παναγιώτη, σύντομα θα το μεταφράσει αυτό που θα πω, δεν ξέρω. Ήταν να μεταφράσει Σιμών από τα λεγόμενα ποίηματα της Λευκής Σελίδας, μια συλλογή ποίηματων που έγραψα σχετικά πρόσφατα, σε αντιστοιχεία με το Wall Blanche της Σιμών. Αλλά στην πορεία κάπως άλλαξε το σχέδιο και η Σιμών ίσως από την... Μίλησα και ο ψυχαναλυτής λίγο μέσα της και επέλεξε να μεταφράσει ένα απόσπασμα από ένα παλιότερο ποίημα που είχα γράψει με τον τίτλο «Λίκουα Φράνκα» και αφορά ένα διάλογο ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. Θα σας διαβάσει η Σιμών τη μετάφραση και εγώ από τα ποίηματα της Λευκής Σελίδας είναι μικρά, πέντε μικρά όπως πάνω. Πρέπει να το... Donc, Dimitra Kodula vient de dire que l'intention première, c'était que Simone Brillat traduise à partir de ses poèmes assez récents, poésie de la page blanche, un peu en dialogue avec le titre du recueil de Simone Brillat. Mais au fur et à mesure de la collaboration, le plan a changé et Simone Brillat a traduit un poème qui s'appelle Lingua Franca, c'est un dialogue entre deux personnes, écrit à l'origine en anglais par Dimitra. Donc Simone lira sa traduction et Dimitra Kotula lira quelques fragments de ce poème de la page blanche. Écoute. L'écart entre voix et dire, sur le chemin
qui va du surgissement à l'histoire du surgissement, là où ce qui surgit attend son histoire. Non, il ne s'agit pas du secret lui-même, mais du lien de chacun avec le secret, avec ce qui, entre eux, reste enfoui, qui se terre en eux-mêmes, manifestement enfoui en chacun, mais présent. Écoute chaque mot comme une douleur épuisée qui attend d'apparaître. Mais la langue est notre trésor. Elle contient le secret. Le surgit n'a pas de secret. Jamais on ne rencontre la limite de la langue. Aussi long serait le silence. Que dis-tu ? Écoute-moi. Je le fais. Ne me demande rien, écoute. Même si on parle, on ne parlera jamais assez. Même si vous en avez parlé, il n'est pas certain que vous le sachiez, ni que vous pourriez le répéter. Vous ne pourriez même pas interroger les mots, c'est impossible. Entre le mot et vous, quelque chose s'est déjà avancé qui s'impose à vous. Dérisoire est le mot. Il ressent bonheur et déception mêlés. Elle ne sait pas s'il goûte le silence ou si les mots, obscurément, lentement, se déchaînent dans le silence. Donc, vous l'avez dit, au moins une fois, la langue contient son secret, le don du silence. Jamais vous ne serez ni assez, ni trop silencieux. Le silence est un présent brutal. La langue recueille le silence, elle le laissera inaccompli. Le mot se désespère d'exprimer le silence. Mais nous avons entendu le mot et le silence, nous le savons. Pourtant, il ne pourrait que demeurer silencieux et magnifier le silence. Elle était la seule à le percevoir. Elle s'était tenue avec lui dans ce lieu d'ignorance, elle s'était tournée vers lui, lui avait fait signe, le saisissant dans un instant de liberté. Il s'était violemment abandonné à cet instant de liberté. Vous parlez trop. Oui. Je trahis. En chacun solitaire, chaque mot désespéré possède un savoir qu'ils ignorent eux-mêmes. Mais nous en avons parlé, nous savons cela. Si nous en parlons, nous ne connaîtrons jamais le secret. Nous ne le percevrons jamais. Parle. Chacun ne dit rien d'autre que ce qu'il dit. Il ne s'adresse pas à elle, il ne parle pas. On ne converse pas, pas de dialogue véritable. Seuls les mots attendant le silence les portent afin de se souvenir, afin de témoigner. Quelque chose en moi parle avec. Il n'y a pas de réel silence. Seuls les mots, seul l'oubli des mots. Il ne s'adresse pas à elle, il ne lui parle plus. L'immense nécessité des mots inutiles, son immense nécessité des mots inutiles, elle réalise qu'il lui a parlé simplement pour répondre de l'impossibilité de parler lui-même. Elle réalise qu'il lui a parlé simplement pour répondre de l'impossibilité de faire silence. Oui, c'est mortel. Il ne la supporte pas, il ne lui a jamais vraiment parlé. Épuisant, inépuisable, mortel, oui. Don du silence, jamais l'on ne sera attiré par lui, assez attiré par lui. Nous parlons maintenant ? Est-ce vraiment si important ? Nous parlons, tu parles, tu me parles. Et le silence vient-il vite ? Vite, oui, et il s'étend.
Τα πείματα της λευκής σελίδας. Ένα πεδίο διαρκούς έντασης χωρίς μεγάλα δράματα σαρώνει τη νύχτα. Υπάρχουν συνάφειες ανάμεσα στα πιο ολόκοτα πράγματα. Υπάρχει στο τραπέζι μια λευκή σελίδα. Τι θα ήμουν άραγε χωρίς αυτό το λευκό. Ανεμίζει στο θρόνο της και σπάνια με ακούει. Η εξουσία της περιορίζεται ουσιαστικά σε ελάχιστα πράγματα, όπως το να θέτει ξανά και ξανά ερωτήματα για το έσχατο. Άλλωστε σκέψου, όταν η μνήμη διαλάθει και ο ύπνος θα τη λήξει όλα, τι θα απομείνει από όσα τώρα είναι μη σελίδα. Αν τη φωτίζαμε καλύτερα, θα μας αποκάλυπτε περισσότερα για την ουράνια πατρίδα της, για το παιχνίδι των μυστικών δυνάμεων από που αντλεί την εξουσία της, για το λευκό της. Ή πάλι να μην σκληρύνεις, να υφίστασε το ανθρώπινο όπως η πεδιάδα τη λύπη. Η ανάσα της βροχής υψώνεται πάνω από τη θάλασσα. Οι χρυσές μπούκλες των φύλων του φθινοπόρου τρεμουλιάζουν. Αργοκίνητα πουλιά τεμαχίζουν τη νύχτα. Μέρες περνούν με τα ταυταδένια τους ενδύματα. Θα μπορούσα κάλλιστα να συνεχίσω τη μονότονη αυτή απαρίθμηση. Να γεμίσω άλλη μια λευκή σελίδα. Δεν υπάρχει ανάσταση, λένε. Υπάρχει. Με τα θάνατον δεν ευημερούν μόνο τα νύχια σου ή τα μαλλιά σου. Όλα θα μπορούσαν να παραλυφθούν εκτός από ένα. Η παγκόσμια οικονομία επεκτείνεται, το ανεξέλεγκτο τίθεται υπό πλήρη έλεγχο των αρμοδίων. Κυκλοφορούν με κοιλίδες από δίθεν πνεύμα στο σακάκι τους, διεκδικώντας ακόμη και την γαλατένια οσμή στον δράχυλο του βρέφους, το αναρρίγισμα από το χνούδι στη σάρκα του ροδάκι μου. Ακαθόριστα θολές, στο χρώμα του νεκρού, οι ιδέες τους λιποψυχούν επικίνδυνα. Μην τους πεις ότι αμφιβάλλεις. Όλα θα μπορούσαν να παραλυφθούν εκτός από ένα. Ο ουρανός ανοίγει τα ανθεκτικά του φύλλα σαν πορτοκάλι, σαν τις λευκές σελίδες που ξεφυλίζεις. Θυμήσου. Μπορούμε πάντα να προστρέχουμε σε αυτόν σε περίπτωση αμφιβολίας ή πείνας. Κάποτε θα πρέπει να φανερώνει το πρόσωπό της, αλλά εγώ το φοβάμαι. Στο μονοπάτι δεν υπάρχει κανείς, αλλά υπάρχει στο τραπέζι μια λευκή σελίδα. Ζω με το μάγουλο πάνω στη ζεσταμένη σάρκα της. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, Léotis, pour cette merveilleuse expérience. Merci à vous. Ça me fait plaisir que ça a été merveilleux plutôt que stressant et difficile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais inviter Florent Papin, avec lequel j'ai choisi de collaborer dans les traductions mutuelles. Et. Florent Papin a grandi à La Rochelle. Il a publié un premier recueil de poésie du Poland aux éditions La Tête d'Arambert. Et il est cofondateur de la revue d'art semestriel Prussian Blue et a aussi écrit un scénario de bande dessinée, Lehmann, la crise de moi. Et il travaille actuellement au sein d'un grand établissement culturel. Je trouve que sa poésie est caractérisée par un verbe lucide et séduisant. Il y a des images de la terre qui s'entrecroisent avec des réflexions qui versent dans le philosophique, mais restant très charnelles ou même sensuelles. Au Florent Papin est un biblio, Iris, στο πληθυντικό. Και επίσης είναι συνιδρυτής της, του περιοδικού τέχνης, του εξαμενείου ηλεκτρονικού περιοδικού τέχνης και εντυπού, Prussian Blue, και έχει επίσης γράψει το σενάριο για ένα κόμικ που λέγεται Lehmann, η κρίση και εγώ,
και εργάζεται σήμερα σε έναν πολιτιστικό οργανισμό. Επίσης, του χαρακτηρίζεται από μια πολύ μεγάλη διάβγεια και μια υλικότητα σχεδόν αισθαντικότητα. Bonjour. Comment tu vois les choses? Du coup, tu lis et moi je vais intervenir avec une traduction quand elles existent. D'accord. Mais je vais commencer par mes poèmes ou tu souhaites que je lise d'abord le poème que j'ai traduit de toi? Non, ça c'est intervenir dans la malle. Bon, alors je vais me distinguer, c'est une deuxième nature chez moi, je vais me lever parce que j'ai du mal à parler assis. J'ai besoin de faire des gestes. Donc, oui, une présentation rapide du recueil qui a été publiée en 2013, si je ne m'abuse, à la tête à l'envers, voilà, et qui est née d'une rencontre esthétique et devenue une rencontre amicale avec Renaud Aliran, qui est un grand graveur et peintre qui accompagne beaucoup des auteurs de la tête à l'envers. Voilà. Oui, je pense qu'on passerait aussi à côté d'une part de la maison d'édition et de son histoire, en fait, de son ADN, si on ne parlait pas de Renaud, qui accompagne quand même le gros des publications. Et que nous pouvons applaudir. Donc, je vais commencer par le premier poème du recueil, qui en fait renvoie d'ailleurs à une... Alors, je n'ai pas une écriture illustrative, mais ça renvoie à une œuvre de Renaud, qui m'a donné envie d'écrire, tout simplement. Voilà. Nuit d'hiver. Il y eut d'abord la lumière, délébile, la séquence pâle d'une blancheur étourdie, une brûlure pourtant, touchée de l'œil dans l'origine du voir. Tous l'ont su, tous l'ont oublié, mais... Touché de l'œil, la lumière glacée, une brûlure, pour mieux se souvenir. Alors vint le mouvement, comme un clignement de pierre, une rumeur pénétrante sous le point du roulage, un frisson aussi, par quoi s'ébroue la note blanche, dans le souvenir d'être, dans le souvenir d'avoir été, une nuit d'hiver, en un autre voyage, le long des plaines lointaines où s'efforce le givre. Νύχτα χειμώνα. Εν αρχή είναι το φως, εξίτυλον, αλλιουχία χλωμή ζαλισμένης λευκότητος, έγκαυμα ωστόσο, που το αγγίζει το μάτι μόλις πρωτοβλέπει. Το γνώρισαν όλοι, όλοι το ξέχασαν. Μα αν αγγίξει το μάτι το παγωμένο φως, έγκαυμα, για να θυμάσαι καλύτερα. Τότε ήλθε η κίνηση, σαν βλεφάρισμα πέτρας, θόρυβος που τρυπά την γροθιά του κυλίσματος, ρίγος επίσης, που ανασύει την λευκή νότα. Όταν θυμάσαι πως είσαι, όταν θυμάσαι πως ζουν. Νύχτα, χειμώνα, σε ταξίδι άλλο, μέσα από πεδιάδες μακρινές, όπου κοπιάζει η πάχνη. Merci beaucoup. C'est très touchant. Hein. J'ai l'impression de mieux comprendre en grec que en français. La saison d'après. Vois où débute le silence et le lointain vide de clocher. La neige y tresse des crénures d'argent. Vois, avant que la blancheur ne les dérase, dans son injure d'infini. Il se dit qu'on y trouve des lichens, parfois, qu'embrase le contact des vieilles souches, et des mousses vierges,
parfois. Ces traces en reviennent, dans la lassitude des congères. Elles sont lourdes de foulées sans horizon. Peut-être est-ce ainsi que s'éprouve la présence. Te rappelles-tu les feux follets d'août que nous faisions naître dans le remous des marais? Mais nous sommes désormais à l'oubli. Nous sommes à la distance. Ceci est la neige, souviens-t'en. Nous la proclamerons jusqu'à la saison d'après. Η επόμενη εποχή. Δες που αρχινά η σιωπή και το απόμακρο, χωρίς καμπαναριά, το χιόνι πλέκει εκεί από ασήμι επάλξης. Δες πριν της κατεδαφίσει η λευκότης, βλαστημώντας το άπειρο. Εκείνος σκέφτεται ότι θα βρει εκεί λιχίνες, καμιά φορά, που τους πυρώνει η επαφή με τους κορμούς κομμένους σύριζα και τα παρφένα βρύα, καμιά φορά. Τα ίχνη αυτά επιστρέφουν μέσα στην κόπωση σωρών σονιού, βαριά από πατημασιές δίχως ορίζοντα. Ίσως να δοκιμάζεται έτσι η παρουσία. Θυμάσαι τις λαμπιδόνες του Αυγούστου που φτιάχναμε με στις δίνες των Βάλκων. Φτάσαμε όμως πια στη λησμονιά, φτάσαμε στην απόσταση. Αυτό εδώ είναι χιόνι, να θυμάσαι. Και θα το διακηρύξουμε ως την επόμενη εποχή. Qui a donné son titre au recueil et qui donne lieu à une correspondance avec un poème de Panayotis que j'ai traduit, que je vous lirai tout à l'heure. Pollen. Bientôt le pollen, bientôt. Il y a tout lieu de le croire. Sans le souffle de braise entrechoquer les saisons, accueille le présage de Razdec et son papillon témoin, ses arabesques, grisé par l'oracle de la cendre, partage en ivresse et conçoit la promesse, celle que je te dois, celle que tu me dois. En voici un de la plus belle espèce. Il s'en va colporter son signal à l'affleurement des sols, sur les schistes de traîne d'un soleil corrompu. Grand bien nous prie d'apprivoiser la poussière. Nous n'en serons que mieux prêts à l'heure opportune, quand, dans l'achèvement des sciences, nous discriminerons la richesse, et que, pierre à pierre, se formera l'obol de gravats, de cendres, de prémices de miel. Alors flambera un astre exalté à l'aplat de nos mains, alors crépitera sous nos doigts la poudre des solstices, et d'un alliage soudain se frappera l'alliance, rivant un temps nouveau, à la surface des choses. De cela, nous saurons avoir secondé l'éclat. Ravis des pollens, l'audace d'une humeur féconde, et si tardivement qu'advienne le moment souverain, nous irons dans l'allégresse des destinations. Je vais en lire un dernier qui s'appelle le 1940. Nous avons tenu la sollicitude des pierres pour la promesse d'hectare grave, où qu'eût pu s'exercer l'autre nuit. Dans un même accomplissement des sols, l'exhalaison laiteuse des granites, frisant ras au point des aubépines, mais aussi le remugle des ardoises, frottant sourde de monticule à monticule, et qu'ainsi s'instaure le magistère des roches. Et nos élans de bois rude à sonder la surface
martelant du talon gauche la règle des unités, martelant du talon droit la règle des décimales, espérance des séries, 19-40. À quoi tient la justification des pas, 10-50, 11-60, 12-70. Mais ceci l'ont dit, méfiez-vous des sols qui s'ignorent, ils déjoueront la pierre. De là, la gerçure des cardamines, luisant d'une lueur pareille à celle des quartz, et cette fibre rêche des tissus rejouant la lamentation des schistes. Ainsi, nos pas résonnaient à eux-mêmes dans la nuit des surfaces, sans que rien ne s'échappe, ni même un cri étouffé de pierre. Sans que rien ne s'échappe, ni même un cri étouffé de pierre. Γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα όπου και ζει. Τα ποίηματά του κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Καστανιώτη, το Σωσίβιο, το 2008, δεύτερη έκδοση το 2009, ο Ακάλυπτος το 2013 και Πολωνία το 2016. Και έχουν επίσης δημοσιευθεί σε περιοδικά και ανθολογίες μεταφρασμένα στα αγγλικά, σουηδικά και τουρκικά. Ποίηματα, δοκίμια, κριτικά σημειώματα και μεταφράσεις του αγγλόφωνων ποιητών δημοσιεύονται σε περιοδικά από το 1994. Είναι υπεύθυνος για την ποίηση στο μηνιαίο περιοδικό The Books Journal, μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού για τη διερεύνηση του ποιητικού φαινομένου, φάρμακο, διοργανωτής και επιμελητής της σειράς μηνιαίων ποιητικών αναγνώσεων «Με τα λόγια γίνεται». Τα είπα καλά. Πολύ καλά. En français. Ça, ça fait mal. Panayotis Ioannidis est né en 1967 à Athènes, où d'ailleurs il vit. Ses poèmes sont publiés par les éditions Castagnotti, το Σωσίβιο, la Bouée, hein, c'est ça, ouais. Il a été publié en 2008 avec une deuxième édition en 2009 au Acalyptos. Alors là, Surcours, hein? Oui. Surcours peut-être. Entre autres. Entre autres. Enfin oui, parce que c'est la découverte aussi, que je sais pas si. Hein? En 2013, Polonia, Pologne en 2016, et également, il a eu plusieurs publications dans des revues, dans des anthologies traduites en anglais, suédois et turc. Des poèmes, des essais, des notes critiques, des traductions de poètes anglophones sont publiées dans des journaux depuis 1994. Il est responsable pour la rubrique poésie dans la revue mensuelle The Books Journal. Il est membre du comité de rédaction du magazine pour l'investigation du phénomène poétique. C'est la revue Pharmaco, médecine, hein, je vais vous dire ça. Oui. Poison. Poison également, oui. Et il est également co-organisateur et émélitis. Et émélitis. Non, c'est pas grave. Voilà. De, ben non, c'est de, des lectures de poésie mensuelle. Métalloïaïnète, avec les mots on peut. Hmm? Voilà. Alors, simplement une autre chose, ça c'est une note personnelle. Je suis très heureuse de présenter Panayotis parce que lors de conversations comme ça au hasard, on s'est rendu compte que nos familles sont issues de la même bourgade de la Thrace orientale et sont donc réfugiés de Thrace orientale, de Saladeclicies. Donc j'ai vraiment une très grande émotion à chaque fois que Panayotis est avec moi.
ήθελα να πω απλώς ότι είμαι πολύ συγκινημένη κάθε φορά που έχω τον Πανελιώτη εδώ μαζί μου στο Λεξικοπωλείο, γιατί στις κουβέντες μας συνειδητοποίησαμε ότι είμαστε συντοπίτες από την Ανατολική Θράκη, από τις 40 εκκλησίες. Οπότε είμαι διπλά χαρούμενη που είσαι εδώ, Πανελιώτη. Σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ χαίρομαι. Merci beaucoup, Odile, encore. Λοιπόν, μιας και οι γαλλόφωνοι φίλες και φίλοι, πίτρες και ποιητές, εξέδραμαν στην Ελλάδα και είναι άνοιξη, σκέφτηκα να σας διαβάσω πρώτα ένα σύντομο ποίημα από τον Ακάλυπτο, που λέγεται «Εκδρομή». Ύπνος της εξοχής, ξύπνημα ήλιου. Όνειρα φορτωμένες λεμονιές. Στον κρύο μυχό γεμίζουμε τις τσέπες μας με βότσαλα. Αλλιομορφιά επιστρέφει εκεί όπου ήταν. Και μιλώντας για ομορφιά, θα γυρίσω σε ένα ποίημα από το Σωσίλιο, το πρώτο βιβλίο, χτισμένο πάνω σε δύο αναμνήσεις, παιδικές αφότερες, γραμμένος τόσο πολύ μετά. Και συνεχίζοντας το ταξιδιωτικό, μικρό αυτό ταξιδιωτικό νήμα, η μία από αυτές τις αναμνήσεις αφορά ένα παιδικό ταξίδι στην Τσεχία. Το ποίημα λέγεται «Καντέλα». Λίγο πριν κατεβάσει το δοξάρι του, ο βιολιστής βλέπει τη μάνα του να του ισιώνει το γιακά πριν την παρέλαση. Πονούν τα δάχτυλά του, όπως μετά τις παιδικές ασκήσεις, μα αμέσως λύνονται ζεστά, δεν ξέρουν άλλο σώμα. Τώρα δεν ακούει τον βήχα του κοινού που λίγο-λίγο πάβει, δεν βλέπει το πρόγραμμα του διπλανού μου που απαλά κυλάει στο πάτωμα, τα βλέφαρα που ανασηκώνονται, τα μάτια που πονούν επάνω στη γυαλιστερή επιφάνεια του γελιού, ενώ αυτός ξεπροβοδίζει την τελευταία φράση. Τα μάτια του πονάνε, καθώς της μάνας του το χέρι στοργικά τον σπρώχνει στη βρεγμένη αντιλιά του σημειοστολισμένου δρόμου. Και από την Τσεχία του πρώτου βιβλίου, στην Πολωνία του ομώνυμου τρίτου και στον περίφημο βασιλιά της, τον Γιάννη Σομπιέσκι, τον οποίο ενδεχομένως θα θυμάστε επειδή ηγείτο των συμμαχικών τότε στρατευμάτων της Ευρώπης, γερμανικών, αυστριακών και πολωνικών, και αναχέτησε τους Οθωμανούς έξω από την Βιέννη. Ο Σοβιέσκι είχε ως σύζυγο μια Γαλλίδα, άλλος ένας λόγος για το ποίημα αυτό σήμερα, και αλληλογραφούσαν πότε στα γαλλικά και πότε στα πολωνικά. Εδώ λίγο με την κουβέντα χάθηκα. Λοιπόν, Γιάν ο Τρίτος. Ακατάληπτη η αγάπη του Γιάννη Σομπιέσκι για την ομορφιά του εχθρού του. Κάθε μέρα, επί 20 χρόνια, έγραφε στη γυναίκα του, μισά στα γαλλικά, μισά πολωνικά, και για τα τουρκικά λάφυρα, μετά την νίκη, «The fortress chose a fortress, με fortress». Από του Χουσέιν Πασά του θησαυρούς λάτρεψε ένα κέντημα με τεξωτό, με 2.000 ρουμπίνια και σμαράδια. Τόσο το λάτρεψε που τόντισε το αλόγο του την ημέρα της τέψης. Και υπόχρεος στον Μέγα Δούκα της Τοσκάνης, το αποχωρίστηκε. Αυτός το καταχώνιασε στα κατάστοιχά του. «Una cosa del barbaro lusso». Και το επόμενο βήμα είναι πολωνικό και είναι το ποίημα που επέλεξε να μεταφράσει ο Φλωρόν έχοντας διαβάσει 5 ποίηματα στην αγγλική του μετάφραση, επέλεξε αυτό. Μέσα στα πολλά ξεχνιούνται τα κρίσιμα. Λοιπόν, αυτό το ποίημα πλέκει επίσης δύο στιγμές
της ιστορίας, αλλά εμφανίζεται και το Παρίσι, αφορώντας ωστόσο την πολωνική ιστορία με εξόρους τους στο Παρίσι, Πολωνούς και Πολωνέζες, μετά την τριχοτόμηση της Πολωνίας στα τέλη του 18ου αιώνα. Και ο τίτλος του είναι πολύ ξηρός, Βαρσοβία 1863-1944, Παρίσι 1883. 1944. Μυρωδιά καμένου ξύλου στο κρύο. Σωρή μαδέρια μπρος τα ερείπια. Από τον άλλο κόσμο ποιος θα ζεσταθεί. 1883. Στην εστία του Αγίου Καζιμίρ, καλόγριος τώρα, οι αρχόντισες της Πολωνίας πήγαιναν να έρχονται με αφόρητη φροντίδα. Παγωμένος και πανπτωχός, πεθαίνει θυματικός ο ποιητής Κυπριανός Κάμιλος Νόρβιτ, που είχε θρηνήσει τον Σοπέν το 1863, όταν Ρώσοι στρατιώτες με εντολή του Τσάρου όρμησαν και στο σπίτι των Μπαρτσίνσκι, οδός του Νέου Κόσμου 69. Σκόρπισαν οι γυναίκες, αυτοί άρπαξαν ό,τι γυάλιζε και από το παράθυρο πέταξαν στο πλακόστρωτο το πιάνο του νεκρού αδερφού. Ποιος έβαλε φωτιά στα ξύλινα συντρίμια. Η στάχτη τώρα γύρει, κολλά και άλλοτε ύπταται για λίγο πριν ξαναπέσει στα άφικτα κόκαλα των πλήκτρων. Varsovie. Varsovie. 1863-1944. Paris, 1883. 44-1900. Dans le froid, une odeur de bois brûlé. Des planches s'entassent sur le devant des ruines. Qui d'outre-monde pourrait s'y réchauffer? 83-2800. Hospice Saint-Casimir. Des princesses de Pologne vont et viennent, silencieuses, à leurs soins. Elles sont nonnes à présent. Indigent et glacé, un poète se meurt. Cyprien Camille Norwid, celui de la lamentation pour Chopin, la tuberculose. 63-2800. Sur ordre du tsar, des soldats russes ont fondu sur la maison de Barchinski, au 69, rue du Nouveau Monde. Les femmes ont fui. Eux ont saisi tout ce qui brillait. Et par la fenêtre, sur le pavé, ils ont jeté le piano du frère mort. Qui a mis le feu aux débris de bois? La cendre s'est changée en pollen. Elle colle. Et parfois, elle reste en suspens, pour un temps, avant de retomber sur les touches d'un ivoire intact. On s'est réservé la surprise d'entendre nos traductions pour la première fois ici. Oh, donc c'est un plaisir en complément. Λοιπόν, για να κλείσουμε, μια δεύτερη επίσκεψη ενός βόρειου φίλου στην Αθήνα. Άρα κλείνουμε μια εκδρομή όπως άρχισα. Δεύτερη επίσκεψη του φίλου. Για τον βόρειο φίλο παραγγείλαμε βορεινό αεράκι να φυσήξει, να δροσίσει το κατά μεσήμερο και στη σκιά του σκύλου την ωραία μουσούδα, να μας πάρει πάνω από τα σπίτια και στο βάθος τι είναι αυτό ή το άλλο. ΣΥΡΙΖΑ στο βράχο, οι δεκοχτούρες λένε την αλήθεια. Πότε-πότε επάνω κοιτάμε
και ξανά χαμηλά στις σκιές κι ό,τι αφήσαν, όσοι πέρασαν. Και ξανά το θάμπος και ξανά η αγάπη. Σας ευχαριστώ πολύ. C'est mon plaisir d'inviter Anne Penders et Maria Topali. Anne Penders vit pour le moment à Bruxelles, en Belgique. Elle est écrivaine, artiste et historienne de l'art. Elle travaille sur les textes, l'image et le son. Et elle est intéressée aux poétiques aussi bien qu'aux politiques. La théorie et la pédagogie. Elle a publié une douzaine d'ouvrages, des romans, poésie, essais, expériences, réalisé de très nombreux films courts, ainsi qu'une dizaine de créations sonores. Elle est aussi photographe. C'est très difficile d'isoler des pages de ses livres, puisque ils sont plutôt de longs poèmes, des livres intégraux. Donc, poème aussi bien que impression de voyage et parfois d'un ton quasi encyclopédique. Anne. Merci. Je dois dire. Il y a le microphone là. Λοιπόν, η Anne Penders ζει για την ώρα στις Βρυξέλλες. Είναι συγγραφέας και εικαστικός, φωτογραφίζει, έχει κάνει φίλου μικρού μήκους και ιστορικός της τέχνης και έχει δημοσιεύσει περίπου 12 έργα, μυθιστορήματα, ποίηματα, δοκίμια και έχει φτιάξει αρκετές ταινίες μικρού μήκους και κάποια ηχητικά έργα. Είναι δύσκολο να απομονώσει κανείς σελίδες από τα βιβλία της, γιατί είναι πραγματικά βιβλία φτιαγμένα ολόκληρα και συχνά είναι συγχρόνως μακριά ποίηματα και ταξιδιωτικές εντυπώσεις, ενίοτε με έναν τόνο σχεδόν εγκυκλοπαιδικό. Ευχαριστώ πολύ. Ξανά. Ευχαριστώ πολύ. Je suis touchée de ce que Panayotis vient de dire. Et je pense que c'est vrai que c'est très juste de dire que voilà, c'est un petit peu comme disait Michael tout à l'heure, mes livres ne sont pas des recueils, ce sont des livres, c'est un texte en bout à l'autre, et je ne sais pas non plus si c'est de la poésie. Ben voilà, c'est de la poésie en prose, de la prose poétique, je ne sais pas, c'est de l'écriture. Et donc ce qu'on va lire là, je dis bon parce que je vais lire moi-même et puis Maria lira des extraits. Ce sont donc des extraits et pas des poèmes séparés. Extraits que j'avais choisis puis qu'on a modifié parce que en traduisant un premier extrait, Maria a eu envie de traduire un autre extrait dont je lui avais parlé pour lui donner un éclairage sur la traduction. Donc voilà, c'était assez fascinant de traduire comme ça avec quelqu'un qu'on a jamais rencontré. Et alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que les extraits qu'on va lire, c'est du dernier ouvrage qui vient de paraître. Là, je l'ai ramené de Belgique, et il est sorti de chez l'imprimeur vendredi, il n'est pas encore en librairie, sauf ici. Et donc, ça s'appelle Kala. Et c'est un livre que j'ai écrit sur, autour, à partir de la Grèce, sans jamais y être venue. Et j'ai travaillé pendant. Michael parlait tout à l'heure de la longueur des choses. C'est vrai que moi, je travaille de plus en plus longtemps aussi sur les livres. Et là, celui-là, j'ai mis un bon 3 ans pour l'écrire. Je suis jamais venue en Grèce. Et c'est très important pour moi de vous le dire parce que je vais lire aujourd'hui en Grèce des choses qui ont trait à la Grèce sans jamais être venue. Et j'y suis venue par la suite. Et donc, les images qui sont dans ce livre ont été faites l'année dernière, au mois de mars, quand je suis venue pour la première fois, où j'ai rencontré Odile et voilà, depuis lors, ça ne s'arrête plus. Je suis revenue 4 fois. Et donc, il y a des photos qui ont été prises en mars et puis cet été aussi. Et pour le petit clin d'œil, tout à l'heure, on a parlé de Ioannina et la photo de couverture a été prise à Ioannina. Voilà. Donc.
paysage. Tu marches dedans. Tu hisses la voile et tu pars. Tu rentres au port et tu ris. Des petites tables basses, des salles enfumées, des conversations bruyantes. Ce que je crois. Jusque tard. L'alcool, les débats, jusque tard. Après, t'es pas dans la nuit. Les chiens. L'appartenance. Ce sentiment très fort que je ne connais pas. L'appartenance vous définit, toi, tes amis, tes ennemis aussi. Vous avez ça de commun, la force, la conviction d'appartenir à une langue, une terre, ce que je n'ai pas. Est-ce la terre elle-même qui veut ça? L'histoire, les îles. Historical mist, English fog, Athenian fog, Athenian blast. Nous sommes nourris de clichés, des plus érudits ou plus policés, policiers. Peut-on les déraciner sans les déplacer, sans se déplacer? Le vocabulaire lui-même est contaminé. Please mind the gap. Tu finis par incarner à toi seul un peuple, une génération. How can I talk without betrayal? Il ne montre que la violence des arrière-gardes, ça les arrange. Fer, croiser le fer, sans faute. Le plein combat est au-delà du champ de bataille, au-delà des mots, bien au-delà. Traduire, je ne pourrais pas. You should learn Greek. Speak as loud as you can. Je ne peux pas. Me taire. Écoutez. Quelque chose vient d'en dessous, j'en suis sûre. La terre ne contient pas que des vestiges. Elle forge le plus profond des textes. Un caractère. Ce qui manque ici. Ici, la terre ne garde rien intact. Tout y pourrit. Que transmettre aux générations d'après? L'humus fertile, un lieu où se repaître, s'affadir, la nécessité de partir. Sortir de l'enfouissement, prendre l'air, ce qu'il faut. L'éloge de l'autruche? Le cul à l'air, une cible si parfaite qu'on ne s'y attaque pas. Tu n'es pas d'accord, ce gris d'ici, sa persistance, force la quête. La quête. Tu dis, cherche encore, c'est là. Au cœur du brouillard, la lumière autre, tu me dis. Oui, sans doute, mais restes-tu, je dis. Donc elle va traduire cette page-ci. You should learn Greek. Speak as loud as you can. Δεν μπορώ να σωπάσω, να ακούω. Έρχεται ένα πράγμα από εκεί κάτω, είμαι βέβαιη. Η γη δεν περιέχει παρά απομεινάρια, σφυριλατή, το πιο βαθύ από τα κείμενα. Έναν χαρακτήρα, αυτό που λείπει εδώ. Εδώ η γη τίποτα δεν κρατά ανέπαφο, όλα εκεί σαπίζουν. Τι να μεταδώσουμε στις κατοπινές γενιές. Γόνιμος χούμος, τόπος όπου χορταίνεις, ξενοστιμίζεις, αναγκαιότητα φυγής. Να ξεχωθείς, να ανασάνεις αυτό που πρέπει. Το εγκόμιο της στουρδοκαμήλου, ο κόλλος στον αέρα, τόσο τέλειος στόχος που δεν το επιτίθεται κανείς. Δεν συμφωνείς. Αυτό το εδώ το γκρι, η ανθεκτικότητά του, στην έρευνα οθεί, λες. Ψάξε το κι άλλο, είναι εκεί. Στην καρδιά της ομίχλης, το φως το άλλο. Μου λες, εσύ. Ναι, αναμφίβολα. Μα το να παραμένεις, σε δολοφονεί, λέω.
C'était le début d'autre chose, je le savais. Des airs de silence et d'oubli, des airs de tri et de vent. Tous, nous y étions préparés. L'arbitraire, la mise à l'écart, la prison. Mais ça restait une abstraction. Comme vieillir, on n'apprend pas. Le vent soufflait. Il ramenait des pans entiers de forêts humides, de désirs féroces. Le vent soufflait, tournait, s'engouffrait, comme au-delà de nous. Il fracassait les abris, les voilures. Il nettoyait jusqu'aux plus vives blessures. Tous, nous savions la proximité du combat, la force du vent. Soudain, je parle au passé. Pourquoi ? Nous vivons dans un monde révolu. C'est écrit sur la table, le sable, à l'angle des rues, où tu marches le soir. Le monde derrière nous. Je dis nous pour eux et moi. Je dis nous parce que l'ancrage éphémère, peut-être, mais peut-être pas. Le lien, la force, le nombre. C'est ça, je dis nous pour le nombre et parce que. Et le monde évolue tout autour, derrière, devant, nous dedans. Une pièce rapportée, révolue, nous, la suite en main, Sion, n'est pas trop tard, inverse le sens de la marche, va de l'avant, ne tarde pas, laisse derrière, ce qui derrière est déjà, ce qui déjà, même si nous dedans. Les mots, ceux-là même qui, les mots, portent, ouvrent et ferment les portes, des fermes. Le son on, indéfini, clos et ouvre, peut-être. Nous vivons une ère de méfiance impunie, d'arrogante ignorance, de désarroi, une ère d'infinie souffrance. Ils vivent ça, au pluriel, tandis que nous vivons. Quoi ? Multiples de l'un. Rien à voir. Encore une histoire d'autruche. Where do you come from, my good friend ? Sans doute il y a-t-il toujours eu moins d'étoiles que de bergers. Si seulement on pouvait enfin parier sur l'intelligence du troupeau. L'endurance de l'autruche. Sa longévité, sa force. La tête dans le sable. Annonce la tempête. Did you know that? Nous sommes la tempête. Nous arrivons, tu arrives, et toujours tu reviens. C'est toi qui le dis. Y arriverez-vous? Nous revenons, de loin. On dit ça. C'est une expression populaire, vous comprenez? Un simple constat. Après, échec. Tout va mieux. Voilà. Ζούμε μια εποχή ατιμόρυτης καχυποψίας, αλαζονικής άγνοιας, σύγχυσης. Μια εποχή βασάνων, τείχος τέλος. Ζούμε αυτό στον πληθυντικό. Ενόσο ζούμε, άφωνοι, πολλαπλάσιοι του ενός. Δεν έχει τίποτα να δεις. Μια ακόμα ιστορία με στουρθοκαμήλους. Where do you come from, my good friend? Πάντοτε ήταν αναμφίβολα λιγότερα τα αστέρια από τους βοσκούς. Μονάχα να μπορούσε κάποιος να στοιχημάτιζε εν τέλει στην εξυπνάδα του κοπαδιού. Η ανθεκτικότης της στουρθοκαμήλου, η μακροζωία, η δύναμή της, το κεφάλι μες στην άμμο, αναγγέλει τη θύελα. Did you know that? Είμαστε η θύελα. Καταφθάνουμε. Καταφθάνεις. Και πάντοτε ξανάρχεσαι. Εσύ είσαι που το λες. Εσείς θα καταφθάσετε εκεί. Θα ξαναρθούμε. Από μακριά. Έτσι το λένε. Είναι μια έκφραση διαδεδομένη. Καταλαβαίνετε. Διαπίστωση απλή. Μετά από την αποτυχία. Όλα θα πάνε πιο καλά. Καλά. Je vais terminer si j'ai encore. Okay.
C'est un changement, ce que tu dis. L'ébauche d'autres, part, chose. C'est qu'à nouveau se part. Celui qui ose ne joue pas. Ce qui change. Regardez le soleil par en dessous. Comment se peut-il qu'on ne voit pas? L'être là-deux, la rencontre des impuissances. Nous, ce que nous sommes. La puissance extrême née de ça. Au cœur, tout nous survivra. Les déchirures et les liens, l'embouchure des évidences. Poindre, c'est le jour qui fait ça. Se lever, les poings aussi, même liés. Dire s'efface, la prétention ruine. L'étroitesse, le chaos, c'est par là qu'on passe. Eux, nous, tous, l'aiguille et la botte. Fuir, c'est vivre d'abord. Η Μαρία το πάλι γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, έχει σπουδάσει νομικά στην Αθήνα και το εργατορικό της στα νομικά στην Γερμανία. Γράφει ποιήση, μεταφράζει από τα γερμανικά. Δημοσιεύει κριτικές και άλλα άρθρα. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού Ποιητική και τα μέχρι στιγμής ποιητικά βιβλία της αριθμούν 4 με πιο πρόσφατα οι λέξεις μου από τις εκδόσεις του Εφέλη. Το παίγνιο γλωσσικό και νοηματικό σε διάφορες εκφάνσεις από το παιδικό έως τη μαύρη κομμωδία αλλά και οι βαθιές αυλακές της μνήμης χαρακτηρίζουν ένα μέρος τουλάχιστον της ποιήσης της. Μαρία το πάλι, έννοια Θεσσαλονίκη, ελεύθερη la loi, en Grèce et en Allemagne, où elle a obtenu son doctorat. Elle écrit de la poésie, elle traduit de l'allemand, elle publie aussi des critiques et d'autres articles. Elle est membre de l'éditorial d'une revue poétique célèbre, Poétique. Et son livre plus récent s'appelle Mes mots. C'est le jeu tant linguistique que de sens dans ses divers expression depuis l'enfantin jusqu'à la comédie noire, mais aussi la forte mémoire qui caractérise sa poésie. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη Ιωαννίδη, λεξικοπωλείο. Μ' άρεσε πάρα πολύ η εμπειρία να μεταφράζω τα βήματα της Άντ και ήταν και πολύ καλή, νομίζω, η επικοινωνία που είχαμε. Ήταν σαν να γνωριζόμασταν κάπως. Εγώ έλεγα επειδή η ώρα είναι πολύ πειρασμένη να σας διαβάσω μόνο τα δύο μεταφρασμένα, αλλά η Άννα λέει ακόμα ένα. Okay, θα διαβάσω ακόμα ένα. Ελπίζω να είμαι κάτω από το δεκάλεπτο όλα μαζί. Θα σας διαβάσω ένα παλιό, πολύ παλιό ποίημα που νομίζω πως δεν το έχω διαβάσει ποτέ, άρα θα εκμεταλλευτώ την περίσταση, και μετά τα δύο που έχει μεταφράσει η Άννα. Είναι ένα θερμοπυλικό με όλες τις συνδηλώσεις. Θερμοπύλες 2, επιστολή από το μέτωπο, είναι από το Σερβίτσιο Τσαγιού, το 99. Το μόνο ίσως που αλλάζει και δεν είναι ασήμαντο είναι ο χρόνος του ρήματος. Οι μύδι διάβηκαν και διάβηκαν και διάβηκαν και πάλι θα διαβούνε. Ο φύλακας έγινε διαφανής για λεπτή ευαίσθητη μεμβράνη. Τιμή σε αυτόν που τους αφήνει να περάσουν από μέσα του. Τιμή σε αυτόν που διηθεί τους εχθρούς και παραμένει καθαρός. Τιμή στο παγκόσμιο δίκτυο φυλάκων των θερμοπυλών. Κάθισε αν μπορείς επάνω στην τετράγωνη και συμπαγή συγκρότησή σου με εμπιστοσύνη, όπως αφήνεσαι να κάτσεις στη λεκάνη της τουαλέτας.
φουσκώνει μέσα στις φλέβες του το δάκρυ, φθινόπωρο του 98, καθώς ο Ρήνος ξεχυλίζει. Τιμή κυρίως στις θερμοπύλες, τιμή και σ' όσους διακρίνουν τα στενά και τα περάσματα. Το πέρασμα των μύδων, είναι αλήθεια, έχει κάθε φορά τα θύματα του. Αν δεν συχνάζεις σε μέρη σαν τις θερμοπύλες, λίγες οι πιθανότητες να έρθεις στα χέρια ή στα όπλα. Αν πας το καλοκαίρι στη Σαντορίνη ή την Τίνο ή την Μύκονο ή την Ήλο. Οι θερμοπύλες είναι μέρος άχαρο και χάνουν ομολογουμένως κάποτε την αρχική τους λάμψη. Να κάθεσαι με εμπιστοσύνη μέσα σου, να κλαις σαν το ποτάμι, να φουσκώνεις σαν τη γαλάζια θάλασσα και σαν τον άνεμο να λες. Το πλάσμα, σε μια τροχιά, από τα γιασεμιά μέχρι την ουρά της Άρκτου. Με εμπιστοσύνη να κουμπάς το πισινό σου στη λαστιχένια φουσκωτή ζωή. Ανοίγοντας τρύπες στον εαυτό σου σαν το πλατήφυλλο, αφήνεις τους μύδους συνεχώς να περνούν και να φεύγουν. Οι μύδοι είναι απίστευτα πολύ και τούτο καμιά σχέση δεν έχει με θεωρίες των ελίτ. Ας είναι ακήρυχτος ο πόλεμος, θα συνεχίσεις να υπερασπίζεσαι ένα κριτήριο της οδύνης. Έχουμε δει πολλούς να πέφτουν πλάι μας. Το αποδεικνύει πέρα από κάθε αμφισβήτηση η επιγραφή. Ο Ξίν. Είναι μια παλιά ιστορία ο πόλεμος. Είναι μια σύντομη ιστορία ο έρωτας, ας μη γελιόμαστε. Όταν είσαι διαθέσιμος, θα προτιμώ να ψάχνω το σφιγμό σου, αλλά καθώς αυτό συμβαίνει σπάνια, εκτίθεται στους μύδους. Μαζί με άλλους 299, σε έναν τόπο που από καιρό καλείται θερμοπύλες. Να μας υποχρεώνει ίσως κάποια ασθένεια, κάποια ενοχή απέναντι στους λακεδαιμονίους της πατρίδας, κάποια ανεπάρκεια. Ήμασταν μήπως στην πραγματικότητα άξιοι για τον Κεάδα και άρα υποχρεώμαστε να πέφτουμε στις θερμοπύλες, αφού δεν είχε ποτέ θέση για μας στην ακέραιη κοινωνία της Σπάρτης. Όμως για δες δεν πέφτουμε. Γινόμαστε μονάχα διαφανείς, ευέλικτοι, διαπερατοί. Έχουμε το καθήκον της φύλαξης. Ίσως μάλιστα αν συνδυαζόταν αυτός ο ρόλος με τον μύθο της ωραίας κοιμωμένης ή του πρίγκιπα Βατράχου, αν μ' αγαπούσες δηλαδή, να λυτρωνόμουν από τη φύλαξη. Θα έπαβα, λέει, να είμαι διαφανής και θα γινόμουν σάρκα και οστά. Η διαφορά είναι πως οι μεταμορφώσεις ανήκουν στο μύθο, ενώ οι θερμοπύλες στην ιστορία. Και νάτι, με όλα τις τα κανόνια και τα πάντσερ, η υπεροχή του λόγου που φύλακα ξεφύλακα με συντρίβει, κάνοντας να οχριούν οι μυδικές ορδές. Είναι μια διαστροφή του λόγου οι θερμοπύλες και τιμωρούνται και την παραξενιά τους. Γεμάτη σκόνη φθιότητα, τούτο το καλοκαίρι και αλλού πλημμύρες. Σου γράφω αναπνέοντας το ξερό τοπίο, δεν φαίνεται η θάλασσα, με είναι κοντά. Σ' αγαπώ και σε χαιρετώ. Συγχωνευθήκαμε με τους Έλληνες. Μήπως μπορείς να ψάξεις τα βιβλία τι μήνας ήταν όταν για τελευταία φορά πολέμησε μαζί μας ο Λεωνίδας. Γράψε και συνανησυχείς όσο μπορείς. Εδώ το μέρος έγινε οικείο και πάβω σιγά σιγά να το φοβάμαι. Και θα διαβάσω το Βαθιά, ένα μικρό ποίημα που δημοσιεύτηκε στην Ποιητική και ελπίζω ότι θα περιληφθεί στο υποέκδοση φετινό βιβλίο. Βαθιά. Όταν συναντιόμαστε το τελευταίο απόγευμα του φθινοπόρου, γνωρίζουμε και οι δυο πως την άλλη κιόλας μέρα ο χειμώνας θα είναι εδώ. Θα έχουν σαρωθεί από το χώμα τα τελευταία χρυσαφιά μισοφέγγαρα ανάμεσα στα ξερόφυλλα. Έτσι το ξέρω. Και δεν βιαζόμαστε καθόλου. Ούτε εσύ, ούτε κι εγώ. Γιατί οι στιγμές αυτές που χύνονται στη γη είναι γαλάζιες, γεμάτες από όσα προηγήθηκαν και μολονότι κάνουν κύκλο οι εποχές και ψηλώνουν τα δέντρα στον εθνικό κήπο, τίποτα πια δεν εγγυάται ότι τα μπέλια μας θα ξαναδώσουν την ίδια γεύση στο κρασί. Je traduis ça de l'anglais avec des retours vers le grec quand l'anglais me paraissait bizarre. Donc on a eu de super conversations. Il faut définitivement que j'apprenne à écrire. Profondément. Lorsque nous nous rencontrons, la dernière après-midi de l'automne, nous savons tous les deux que l'hiver peut être là dès le jour suivant. Les ultimes demi-lunes d'or parmi les feuilles sèches auront été balayées du sol. Il est tel que nous le connaissons. Et nous ne sommes dans aucune urgence, ni toi ni moi.
car ces instants qui se déversent dans la terre sont d'azur, emplis de tout ce qui les a précédés. Et bien que les saisons soient cycliques et que les arbres du Jardin national grandissent, plus rien ne garantit plus que nos vignes donneront, encore une fois, le même goût au vin. Ωραία, και από το Λονδίνο και άλλα ποίηματα, ο χειμερινός κολυμβητής, ο Ατεοκλής και ο Πολυνίκης αλληλοσφαγιάστηκαν. Η Αντιγόνη χτίστηκε ζωντανή. Η Ισμήνη πήρε από το χέρι τον πατέρα και πορεύτηκε μαζί του. Ο τρίτος γιος του Ιδίποδα έμεινε στην πόλη. Μελέτησε πολύ, έκανε γερές σπουδές, επιδόθηκε σε ένα σωρό αθλήματα, υπήρξε κοινωνικός, αποφεύγοντας τις υπερβολές. Τα γράμματα ήταν η μεγάλη του αγάπη. Έγινε το δεξί χέρι όλων των βασιλιών που ακολούθησαν, παντρεύτηκε τις κόρες τους, βασίλεψε ο ίδιος σε κρίσιμες μεταβατικές περιόδους, δεν έκανε πολέμους, πάντοτε ευγενής με άντρες και γυναίκες. Δεν τραγουδούσε, παρακολουθούσε ωστόσο συστηματικά τις συναυλίες. Λάτρευε διακριτικά τις τραγουδίστριες. Δεν χρησιμοποιούσε ποτέ λέξεις όπως «λατρεύω». Πολλές γυναίκες πρόθυμα θα κομπούσαν τον άσπρο τους λαιμό στα γόνατά του, κερνώντας τον αίμα για να του χαρίσουν λίγο χρόνο. Όμως αυτός χαμογελούσε, τους χάιδευε τα μαλλιά, συμπαγής μέσα στις σκέψεις του, αδιαπέραστος. Ούτε που θα σου περνούσε από το μυαλό αν τον γνώριζες, ότι αυτός ο άντρας θύλασε το καυτό σκοτάδι από το υπέροχο στήθος της Ιωκάστης. Le nageur de l'hiver. Théoclis et Polynikis s'entretuèrent. Antigone fut emmurée vivante. Ismène prit son père par la main et s'enfuit. Le troisième fils d'Œdipe resta en ville. Il étudia beaucoup, fit de remarquables travaux. Il s'impliqua dans d'innombrables sports, était sociable, évitant l'exagération. Il estimait profondément les lettres et les arts. Il fut le bras droit de tous les rois qui suivirent. Il épousa leur fille. Il régna lui-même pendant de cruciales périodes de transition. Il ne mena aucune campagne. Toujours aimable envers hommes et femmes, il ne chantait pas, mais assistait régulièrement à des concerts. Il adorait discrètement les chanteuses. Il n'employait jamais de mots tels que « j'adore ». De nombreuses femmes auraient délibérément posé leur cou pâle sur ses genoux, lui offrant leur sang à boire pour l'égayer. Mais lui souriait, caressait leurs cheveux, sans faille dans ses pensées, impénétrable. Il ne vous serait pas venu à l'esprit, si vous l'aviez connu, que cet homme fut bercé par la noirceur brûlante de la sublime poitrine de Jocaste. Και θα κλείσουμε με δύο Έλληνες ποιητές και θα ακούσετε και την μετάφραση στα γαλλικά από εκεί σήμερα. Donc on va conclure avec deux poètes grecs et vous entendrez aussi les traductions en fait cet après-midi. Pour commencer, Linos Ioannidis, qui est né à Nicosie, à Chypre. Il a publié 5 recueils et qui ont été rassemblés en 2014 dans un livre intitulé La position du temps ou La place du temps, si vous voulez. Il a été traduit en français, en anglais, en russe, en espagnol, en italien, en allemand, en lituanien et son œuvre figure dans plusieurs anthologies et des revues littéraires. Il écrit aussi des pièces théâtrales, des essais, et il traduit l'Iliade. C'est un lyrisme assez risqué, je pense, pour nos jours, mais risqué avec un grand succès, grâce au mélange savant des images et des musicalités, et qui crée un monde fermé, mais
pénétrable et très reconnaissable. Ο Λίνος Ιωαννίδης γεννήθηκε στην Λευκοσία, στην Κύπρο. Έχει δημοσιεύσει 5 βιβλία, τα οποία συγκεντρώθηκαν το 2014 στο βιβλίο που λέγεται «Η θέση του χρόνου». Έχει μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες, μεταξύ των οποίων τα γαλλικά, τα αγγλικά, τα ρώσικα. Και έχει περιληφθεί σε ανθολογίες και επίσης δημοσιευθεί σε περιοδικά. Γράφει επίσης για το θέατρο, δοκίμια, και μεταφράζει ποιήση, ζει στην Αθήνα. Η φωνή του έχει έναν ρυψοκίνδυνο, κρίνο, λυρισμό, αλλά πολύ επιτυχή, χάρη στην σοφή μίξη εικόνων και μιας λελογισμένης μουσικότητας, που δημιουργούν έναν κλειστό κόσμο, πολύ ιδιαίτερο, αλλά συγχρόνως προσβάσιμο. Η Σαμπίν Πενιό θα διαβάσει τη μετάφραση που έκανε. Donc, Sabine Bellion va lire sa traduction du poème de Lino Sianides. Sabine Bellion sera entre les poètes qui liront demain. Donc, nous nous attendons demain aussi. Merci. Les mots, au-delà du ciel, ils vont s'emparer de l'horizon au loin. Ils vont y entrer, ils vont y mettre le feu et vivant, le brûler. Jour au-delà du ciel, jour nuage. Ils vont en jeter la moitié, y creuser l'eau, afin que les vents s'écoulent. Sur le papier, ils vont trouver endormi le sommeil, avec ses images, avec son silence, les mots vont encore essayer des noms. Απλώς άνοιξε το μικρόφωνο, γιατί είναι ανοιχτό. Όχι, θέλω να... Τώρα ναι. Καλησπέρα. Να διαβάσω κάποια πράγματα που προσπάθησα να μεταφράσω σήμερα. Θα διαβάσεις τα δικά σου. Τις μεταφράσεις της Σαμπίν αύριο. Όταν θα διαβάσει εκεί. Σήμερα διαβάζεις τα δικά σου. Μόνο τα δικά σου. Οι λέξεις χωρίς τον ουρανό θα αρπάξουν τον ορίζοντα πιο πέρα, θα τον ανάψουν ζωντανό και θα τον κάψουν μέρα χωρίς τον ουρανό. Ολόκληρο το σύννεφο θα ρίξουν το μισό, μέσα θα σκάψουν το νερό, να τρέξουν οι ανάσες. Θα βρουν τον ύπνο να κοιμάται στο χαρτί, με τις εικόνες του, με τη σιωπή του, θα δοκιμάζουν ακόμα όνομα οι λέξεις. Répétition. Il contemplait jour après jour. Il admirait jour après jour. Que dans les nuages, des oiseaux prennent la même place. Ici, dans un lointain pays, son visage, ville triste, une patrie.
επανάληψη. Κοίταγε την κάθε μέρα, θαύμαζε που τα πουλιά στα σύννεφα παίρναν την ίδια θέση. Εδώ, σε χώρα μακρινή, το πρόσωπό του, πόλη θλιβερή που δεν έχει πατρίδα. Η ανατροπή της σύνθεσης. Το κορμί συγκολούσε τα βάρη του, έπεφταν όμως εικόνες, κατέρεαν οι κατακόρυφες δομές του προσώπου του, οι γοητευτικές μεταφράσεις των ιδεών του. Φωνή παρέσερνε τα λόγια, μετακινούσε τους ήχους, να αλλάξουν θέση τα αντικείμενα, τα σύννεφα να ρίξουν το βάρος τους, σμήνι φτερών να ανθίζουν στην νεότερη γη, να φυτρώνουν στην πικρότερη θάλασσα. De Linus à partir de ses poésies. Et pour finir, c'est le tour de Mario Sati Procopiu qui a été traduit par Jacques Robinet qui aussi lira demain. Donc, Mario Sati Procopiu, Yannick est Thessalonique, il σπουδάσει ιστορία και θέατρο στη Θεσσαλονίκη και εικαστικά στο Παρίσι. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην κοινωνική ανθρωπολογία στο Παρίσι. Και σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας στις σπουδές επιτέλεσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ποίηματα και μεταφράσεις που έχουν εκδοθεί σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά και συμπεριληφθεί σε συλλογικούς τόμους. Η ποίηση του είναι, θα μπορούσαμε εύκολα να τις δώσουμε αυτήν την ετικέτα του μεταμοντέρνου, αλλά με τρόπο διόλου εφετζίδικο, παιχνιώδης, αλλά με ένα βάθος τραγικό που πολύ, με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο το συγκαλύπτει. Ο Μάρκος Χατζηπροκοπίου είναι μια Θεσσαλονίκη, η Λατινική Ιστορία, το θέατρο Θεσσαλονίκη, les arts visuels à Paris. Il a fait des études anthropologie sociale à Paris, et couramment, il fait son doctorat sur la performance au Royaume-Uni. Il a publié des poèmes et des traductions dans diverses revues, et a été inclus dans les anthologies. Sa poésie, on pourrait dire, est postmoderne, mais sans l'effet un peu superficiel qu'on rencontre souvent dans ce genre de label, de postmodernisme. Donc c'est une poésie qui joue, mais ce jeu recouvre un fond assez tragique. Ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη, τον Λεξιπολίο και κυρίως τον Ζακ, που με έκανε να ξαναδιαβάσω το κείμενο μέσα από αυτή τη μετάφραση. Και να το μάθω από την αρχή, να το αναγνωρίσω σαν να μην το ήξερα. Θα διαβάσω το πρωτότυπο και θα ακουστεί μετά η μετάφραση. Το ξεβελίχνω το ριζινά, αλλά μην ξέρετε θα το ξύνω. Ουί, ζήκω μας πάνω το ριζινό. Λούνα Δεμιέλ. Υποσημείωση, μήνας του μέλητος, σελήνη μέλη. Όταν έφυγε, που λένε, ο πατέρας,
γύρισα κι εγώ από τους τροπικούς και φύγαμε 41 μέρες μετά, μήνα του μέλητος, με τη μαμά. Τα rooms του LED δεν την χωρούσαν την ορφανή. Ήταν ακόμη αρχές Μάη και οι μόνοι πελάτες συνταξιούχες του βορρά, άπασες μετά των συζύγων εν ζωή. Πήγαμε. Βρεθήκαμε στη μέση ενός κάμπου. Ήρθαν τρεις κοπέλες, γιαγιάδες από χώμα, με βρολίδες. Μας μοιράναμε. Ήρθε ο κόσμος όλος. Καλοσύνη σας, ξένε. Σε μια γουλιά, οτοστόπ. Τραγουδήσαμε ηλιοβασιλέματα. Το ίδιο βράδυ, στο λιόμενο, ονειρεύτηκα. Καπνισμένο τζάκι, εμένα, το χλωρό ξύλο που φταίει και έναν Άι Γιώργη Δράκο να με πεινάζει. Από τη μέση να με βγάζει, σπίθες έμεινα. Από τότε, όποτε και αν δω στο όνειρό μου τον μπαμπά, είτε μου γελά, είτε μ' αγκαλιάζει, lune de miel. Quand il est parti, comme on dit, le père, moi, je suis revenu des tropiques. Et nous sommes partis, 41 jours après, en lune de miel, avec maman. Les rooms to let étouffaient l'orpheline. C'était encore début mai. Les seules clientes des retraités venues du Nord. Toutes avec les maris, bien vivants. Nous sommes partis. Nous sommes allés. Nous nous sommes trouvés au milieu d'un champ. Elles sont venues, les trois jeunes filles. Grand-mère faite de terre avec de lourdes tresses. Elles décidèrent de notre destin. Tout le monde arriva. Comme c'est aimable à vous, cher inconnu. Bouffée d'autostop. Nous avons chanté des couchers de soleil. Le même soir, dans la maison préfabriquée, j'ai rêvé. Une cheminée enfumée, moi-même, bois humide, fautif, et un Saint-Georges dragon me secouant, me jetant à l'écart, rebut d'étincelles. Depuis, chaque fois que je rêve de papa, qu'il me sourit ou qu'il m'embrasse. Merci, Jacques. Merci, Jacques. Hydras. Μαύρα κουρέλια των γιαγιάδων. Αγία Ναφθαλήνη, πολιούχων του Λαπιών. Το ξύλο στο πάτωμα να τρίζει, το μπαλκονάκι ετοιμόρροκο, στοιχείο που ο καινούριος ιδιοκτήτης θα τσιμετώσει. Μαύρα κουρέλια των γιαγιάδων, μάλινη ζέστα μες στο μεσημέρι, η μυρωδιά σας χράμει και δροσιά. Νοτίζετε τη ξενική μου νύχτα, την ενήλικη χρατζουνάτε φιδοπουκαμίσα. Παρακαλώ να με φωνάσετε γυρνό, γενό, γυμνούλη νόστο. Στον κόλπο σας τρυπώνω, σας δίνουμε και στείνουμε χορό. Τρεις χείρες χάριτες, την αντρική μου κεφαλή φρέσκο μεζέ στο δίσκο. Μαλλιοτραβιόμαστε, ποια θα γλωσσοφιλήσει. Χαρά
στα 7 σας πέπλα. Χράμ. Υποσημείωση. Μαλινοβάμβακος Εντόμη, Αγιάσος Λέσβου, Ντοπιολαλιά, Τουρκικά Ιχράμ, Ιχράμ Αραβικά, Ενδυμασία, πιστός στο Ισλάμ, ψυχική κατάσταση, προσκύνημα Χατζ Χαράμ, ιερό, απαγόρευση, όσιος αμαρτάνων, νεοελληνικά χράμι, χαράμι, χαραμίζω, χαραμίς, χαρέμι, χράμ. Γαλάζιο κοριτσάκι που 20 χρόνια πριν πότισες γάλα του παππού τα χράμια, εγγόνι λιγνιστό, άγωνη τώρα υδρώνεις να το σελωθείς, τουρίστρια άκληρη, αποκληρωμένη, γόνος. Με χρήμα αγνώστου προελεύσεως, αυτοδημιουργίας, δέρμα γυαλικό, νοσταλγή να ξυφεί, ιστοσελίδα. Πάσχα στο χωριό. Σημαίνει ανάσταση ποτέ στις εκατόμβες των παούλων. Πώς, κόρη μου, πώς. Χράμια που σε μεγάλωσαν, πραμάτιες. Στα παζαρέχουν αλεπούδες κουνελαδερφές, δέσποτες αδερφοί συνεχιστές και επίκτητοι τηλεπολιτές του πατρικού. Χρόνια που σε άλωσαν, ήξερς, online pics και ψάβεις μήπως βρεις και με αριθμό πιστωτικής πληρώσεις τη στάμπα που σε γέννησε. Και η κερασιά. Ο κήπος του πατρικού στις φλόγες, χρυσά, ζεστά και ζωηρά κεράκια. Μπουκές βενζίνη μέσα κάθε ρίζα δέντρου που είχε φετέψει ο Γενάρχης πριν λιώσει, να πνέουν σε λαδάκι αμμιακό, αμυγδαλιές, ροδιές και καρυδιές, σικές και δομιές, η μητρική ρικιά που αρρώστησε και την κλαδέψαμε, την έκαναν καυσόξυλα, να κοίτονται ξερά, εκεί που άλλοτε ανάμεσα στους καρπούς φιλιούνταν οι απόγονοι με τους παράνομους δεσμούς τους. Όταν μαθεύτηκε, τους αποκλήρωσαν. Και όταν πέρασε στην κατοχή της, η μονάκριβη ξεπούλησε το κτήμα. Ο κήπος του πατρικού, βαμβάκι με ινόπνευμα σε κάθε αγριόχορτο που ξεπετάγεται. Και η έπικη γκαζόν, με αυτόματο πότισμα, ποιος να σώσει τη φωτιά. Φέτος το Πάσχα, πήδηξα τα κάγκελα, φύτεψα λαφραία κερασιά. Donc, merci beaucoup à toutes et tous poètes, poètes traducteurs, et à vous d'être ici et avoir subi même cette demi-heure de retard que la chef a presque défendue. Mais grâce à votre patience gracieuse, la punition ne sera pas très sévère. Il y aura du vin quand même. Il y aura du vin, et demain, à 5h15, il y aura une conférence de Michel Volkovitch en grec. Une conférence en grec, Michel Volkovitch, grand traducteur de la poésie grecque, sur ses traductions de Kalliotaki et Helvetica. Et suivront à 6h, de 6h jusqu'à 8h, les autres poètes du groupe, dont vous avez entendu quelques-uns, Noémer, Rana Isiosiu, Olga Papakosta, Sabine Pellion, Pavlina Marvin, Jacques Robinet, Dimitris Kouliarakis και ο Ορφέας Απέργης. Αύριο λοιπόν ευχαριστούμε για την παρουσία σας, ευχαριστούμε όλους τους ποιητές και τις ποιήτριες. Το κρασί δεν αργεί και μακάρι να έχω καλά να είστε εδώ και αύριο. Στις 5 παρατέταρτο θα ο
Ξενοπολίτη θα μιλήσει για τις μεταφραστικές δυσκολίες του Καριωτάκη και των Ρεμπέτικων. 5 παρατέταρτον, 6 παρατέταρτον και στις 6 με 8 και πάλι οι υπόλοιποι ποιητές και ποιήτρες, κάποιοι των οποίων τους ακούσατε, η Νοέ Μέρ, η Δανάη Σιόζιου, η Σαμπίν Κελιόν, η Παπλίνα Μάρβιν, ο Ράχο Μπινέ, ο Δημήτρης Χουλιαράκης, ο Ορφέας Απέργης και η Όλογο Παπώστα. Ευχαριστούμε πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας όλοι για συζήτηση μαζί με τον Καρσία.